Alors voilà pour nos, notre première rencontre, Shraddhalu. On va se présenter d'abord pour nos publics respectifs. Alors, Shraddhalu, veux-tu commencer à te présenter ? Bon. Je m'appelle Shraddhalu Ranade. En français, ça sera Shraddhalu Ranade. Et j'ai vécu à l'ashram de Sri Aurobindo depuis mon enfance. Et j'ai eu tout mon entraînement et mon éducation à l'ashram sous un système très différent que normal, où il n'y a pas de tests et d'examens, et on apprend tout ce qu'on peut pour la joie d'apprendre. Et parce que c'était un endroit spirituel, j'ai eu une influence profonde, spirituelle, mystique, yogique, en même temps qu'un entraînement scientifique dans la physique, l'informatique et toutes sortes de choses. Et voilà, c'est une introduction, bref. Alors, je peux développer un petit peu, c'est-à-dire que tu as eu une éducation de base dans l'ashram, oui, avec des méthodes spirituelles, oui, je peux dire comme ça, dans lesquelles la personne s'épanouit naturellement, oui, mais également il y a une formation solide, scientifique, mathématique, littéraire, parce que j'ai pu voir dans notre premier contact avant ce jour, que tu as une formation solide dans beaucoup de domaines et une immense curiosité intellectuelle et spirituelle. Et pour quelqu'un comme toi, les deux sont fusionnés, en fait. Il n'y a pas de séparation. Alors, depuis l'enfance, j'ai eu le sens que la science moderne est trop limitée au niveau matériel. Pour elle, la réalité s'arrête avec la matière et tout autre phénomène de la matière. Mais parce qu'on a déjà une perception et expérience des chose plus profonde, spirituelle, depuis l'enfance. Donc pour moi, la science vraie, c'était la science qui unifie toutes les couches de la réalité. Les couches les plus hautes, spirituelles, jusqu'à la matière crude. Mais ce n'est pas divisé en des couches séparées, c'est une continuité. Même une continuité avec une souplesse et une complexité extrême. Et comment est-ce qu'on peut apercevoir ça et les connexions entre les mondes et l'influence entre les mondes, et d'écrire tout ça d'une manière qui est acceptable à la raison, scientifique, disons, mais sans réduire la réalité qui est au-delà de la raison. Alors, c'était ma quête, mon trajet de toute ma vie, presque. Et qui continue aujourd'hui. Oui. Alors, je me présentais succinctement pour les gens qui vont voir cette vidéo, mais qui ne me connaissent pas. Donc, je suis un personnage ordinaire. Alors que Shraddhalu est plutôt extraordinaire, c'est clair. J'ai passé ma vie, une première partie de vie dans le business, en travaillant pour des grandes entreprises, anglo-saxonnes principalement, avec des responsabilités de cadre supérieur et jusqu'à cadre dirigeant. Donc le marketing, la négociation, la production, la logistique, toutes ces choses-là, je connais. Et, alors que depuis le début de ma vie, les réalités qui sont décrites, et j'en suis extrêmement surpris par Sri Aurobindo et Mère, étaient mon ordinaire. C'est-à-dire que quand, grâce à Anne Marceau, ma compagne, j'ai été au contact récemment des livres de Sattva, par exemple, j'ai découvert que tout ce qui était raconté précisément là-dedans, c'était mes expériences, mais très précises. J'étais étonné à chaque page de dire, mais si c'est vrai, ils ont raison, c'est la réalité. Donc il y a une spiritualité sur Terre qui reflète l'exacte réalité, même si ces réalités ne sont pas couramment partagées. Donc, comment j'ai évolué dans ces réalités-là? Bien, en résumé très rapidement, je suis ce qu'on appelle un voyageur hors du corps spontané, c'est-à-dire que très jeune, mais vraiment très jeune, même avant la naissance et juste après, des voyageurs du corps m'arrivaient spontanément. Un certain nombre me sont arrivés et à partir du moment où je suis né, je ne pensais qu'à ça, à sortir hors de mon corps et aller me promener en légèreté, dans le plaisir d'être sans poids et de circuler dans la joie. Un peu plus tard, des facultés nouvelles sont arrivées, comme la capacité à voir le champ d'énergie et l'aura. Et j'ai eu de nombreuses expériences de type télépathique, intuition, et aussi des phénomènes en relation avec la présence d'extraterrestres sur Terre. Donc pour essayer de résumer ça. Tout en continuant à faire, à remplir mes fonctions classiques, hein, de chef d'entreprise par exemple, ou de cadre supérieur,
Je gardais ces choses-là secrètes, parce qu'on ne raconte pas ça dans un comité de direction, évidemment, en tout cas aujourd'hui. Et donc, il y a à peu près une dizaine d'années, à la demande de mon éditeur, j'ai écrit un livre. Alors, ce n'est pas l'inverse, hein, ce n'est pas Marc Auburn qui a écrit un livre en cherchant un éditeur, c'est l'éditeur qui m'a demandé d'écrire un livre, dans lequel j'ai témoigné de cela, des expériences concrètes qui avaient été vécues par moi, qui continuaient à être vécues au jour le jour, et qui étaient, depuis le début de ma vie, pour moi, absolument fondamentales. Parce que si effectivement, il est réel que nous sommes des êtres spirituels, c'est-à-dire que nous existons avant ce corps physique-là, et que nous allons exister après sa destruction, évidemment, ça change tout. C'est plus du tout la même histoire, la vie. Et deuxième chose, un peu moins importante, mais bon, quand même fondamentale, si on n'est pas tout seul dans l'univers, et si on n'est même pas tout seul ici, sur cette Terre, que ce soit au niveau de la présence de créatures non terrestres, ou d'êtres qui nous viennent d'autres dimensions, ça change également la donne. Donc ça m'a paru être des deux éléments fondamentaux que d'expliquer dans ce livre. C'est absolument réel, ces deux choses-là sont absolument réelles. Et ça change tout. Et donc à ce moment-là, une vraie quête spirituelle, je parle d'une vraie quête spirituelle, quelque chose de non simulé, une vraie recherche sincère, qui effectivement fait l'intégration entre la science et la quête de l'esprit, en quelque sorte, me paraît indispensable, fondamental. Donc c'est l'objet de mon propos, c'est aussi pour ça que je suis venu sur Terre, parce que je me souviens d'un certain nombre de vies passées sur cette planète et sur d'autres, et en détail. Et j'ai le plaisir de dire aussi que j'ai eu au moins deux vies dont je me souviens dans ce magnifique pays qu'est l'Inde. Deux vies, peut-être plus, mais en tout cas deux dont je me souviens bien. Donc pour moi c'est un retour à la maison, un autre. Et je suis chez moi, même avec un physique un peu bizarre, pour les gens d'ici. Et je suis tellement heureux de rencontrer Shraddhalu et qu'on puisse échanger et d'expliquer un certain nombre de choses qu'on va développer devant la caméra. Voilà pour ma présentation, pour celle de Shraddhalu. Et on va tout de suite avancer dans ce que Shraddhalu exprimait, c'est-à-dire, il parlait de continuité. De continuité entre l'esprit et la matière. S'il y a une vérité, il y a forcément une forme de continuité. Si l'esprit peut agir sur la matière, c'est qu'il y a quelque chose qui nous permet de toucher cette matière et de la bouger. Donc il y a une forme de continuité. Il y a aussi une forme de continuité peut-être à développer dans la conscience. Et ça paraît être la base, en fait, de toute recherche spirituelle, Shraddhalu. La recherche de la continuité dans la conscience. Alors, on va aussi aborder comment on s'est rencontrés, mais on peut déjà... Mais alors, j'observe une différence très importante dans le trajet de Marc et le mien. Alors, Marc n'avait personne pour lui guider dans ses découvertes. Et c'était la mémoire du passé qui était le point de repère, n'est-ce pas? Et la société autour était contre toutes ces expériences. Alors, à chaque instant, c'était une opposition extrême et même une peur d'exprimer dans le public. Je ne le faisais pas. Ouais. Et moi, c'était l'opposé. J'étais dans un espace où ça, c'était considéré normal. Et dans la structure, dans l'enseignement de Sri Aurobindo et de la mère, il y avait une structure dans laquelle il décrivait tous ces mondes et les influences et les processus, les pratiques pour développer la conscience et s'ouvrir à ces expériences, qui est bien, mais j'avais aussi mon enseignant, Monsieur Madhav Pandit, qui était maître pour mon entraînement spirituel, qui me donnait les expériences d'une manière presque directe. Et j'étais presque passif à accepter tout ce qu'il montrait, donnait. Alors j'ai passé à travers des expériences presque spontanées et je pensais que tout le monde les a, c'est normal pour tous, parce que l'espace était soutenant. Et petit à petit, en particulier quand il a quitté son corps, j'ai découvert non, c'est pas comme ça, tout le monde n'a pas les mêmes expériences. C'est extraordinaire ce que tu dis, parce que moi, c'est effectivement l'opposé. Je pensais être le seul à savoir ce que je savais sur la Terre entière. Et que tous les autres ignoraient. Et qu'il fallait que je me taise le reste de ma vie. Mais quand j'ai lu le livre de Marc, c'était très intéressant.
Parce que j'ai lu plusieurs livres des gens qui ont eu des expériences hors du corps, dont, en particulier dans l'espace occidental. Et ils ont un premier aperçu, ils sont perdus, ils ne comprennent pas ce qu'ils en passent. Et ils font des théories qui sont spéculatives. Il n'y a pas un aperçu ou une reconnaissance de la chose qui est vraie. Mais en lisant le livre de Marc, j'ai senti à chaque mot, à chaque phrase, chaque paragraphe, ah, ça c'est exact, exact. Et il a compris ce que c'est, il connaît. Il y avait comme si une profondeur intuitive qui guidait ton trajet, qui te montrait et tu connaissais ce que c'est, tu faisais des étapes, des transitions en comprenant que tu as décrit dans les livres et c'est absolument merveilleux. C'est le seul livre, je peux dire, qui a cette qualité de précision et certitude, clarté. Ben, vraiment, je me sens comblé par ton appréciation. Alors, pour nos spectateurs, je précisais que c'est vrai que tu as vu le livre, mais en fait, on s'est rencontrés avant de se rencontrer physiquement. Et c'est là que ça devient... on rentre dans le sujet, en quelque sorte, parce que, en fait, ça s'est passé au mois de septembre, et tu as repris tes notes il n'y a pas longtemps, puisque tu as regardé, au mois de septembre de 2022, où j'ai rencontré Shraddhalu, j'en ai parlé à Anne, ma compagne, et je lui ai dit, on a eu un contact, parce qu'on est en train de travailler chacun de notre côté, chacun de notre côté dans notre univers, sur la même thématique. Et cette thématique, c'était dans les marécages du mental, les rêves derrière les rêves, derrière les imbrications des rêves dans les rêves, dans les rêves. Et c'est exactement le sujet sur lequel, en regardant tes notes, tu as trouvé que tu étais en train de travailler dans cette période-là. Et j'ai dit à ce moment-là, j'ai dit, je dois écrire à cette personne, je vais attendre un petit peu. On avait projeté avec Anne d'aller ici en Inde. Et je vais attendre. Et régulièrement, dire, est-ce que tu as écrit à Shraddhalu? J'ai dit non, j'attends. J'attends. Et finalement, je t'ai écrit juste avant Noël. Et tu as reçu ma lettre après, en début d'année. Donc on s'est déjà rencontrés. On s'est rencontrés dans l'univers de l'esprit. C'était une vraie rencontre. Pour moi, par exemple, les paysages dans lesquels on s'est rencontrés, je cherche encore, parce que j'ai retrouvé des banyans, les arbres magnifiques d'ici. J'ai vu plus de choses que je t'en ai dit pour l'instant, mais ce que j'ai vu, c'est qu'on avait la même quête, la même recherche, et qu'il y avait un sens. Et si ce sens-là était inscrit dans notre recherche spirituelle, c'est que peut-être on allait se rencontrer. C'est ce que j'ai dit à Anne. Oui, quand j'ai lu ton livre, c'était le même sens. J'ai senti que oui, on va se rencontrer. Il y aura quelque chose, mais je ne sais pas quand. Je n'ai pas fait un effort spécifique, mais voilà. Voilà, c'est arrivé. Et aussi reconnaître que souvent les rencontres extérieures sont des résultats des rencontres au niveau plus subtil qu'on ne se souvient pas souvent. Et souvent, ça se fait plusieurs fois au niveau subtil avant que ça prenne la forme extérieure. Et même, il y a comme si un lien qui nous attire jusqu'à ce qu'il y ait le contact au niveau superficiel. On est tellement d'accord avec Shraddhalu. Il y a des points sur lesquels on n'est pas tout à fait d'accord. Mais on est d'accord sur beaucoup de choses. Et on les évoquera peut-être si ça nous fait plaisir. Ce qu'on cherche à dire aussi, en prenant cet exemple précis, hein, de deux personnes qui se rencontrent, quelle que soit leur physique et leur démarche personnelle, profils très différents, mais en fait, pas tant que ça. C'est que on n'est pas deux personnes uniques, et notre rencontre n'est pas unique. Il y a quelque chose qui est en train de se produire, qui se produit peut-être depuis toujours sur cette planète, c'est que il y a des... Moi, j'appelle ça des réunions de famille. Les gens, les personnes, les humains, portés par le même sens, se retrouvent, se réunissent, et quand ils se croisent, eh bien, ils s'arrêtent et ils disent « je te reconnais ». Donc, ça m'est arrivé un certain nombre de fois sur la planète, et je crois que ça t'est arrivé aussi. Tu veux en parler ou... Oui, alors je sens et je comprends qu'il y a deux manières que ça se fait. La première, c'est à un niveau presque automatique, parce qu'il y a une résonance spontanée entre les gens qui ont les mêmes idées, les mêmes aspirations, et ça peut se faire à plusieurs niveaux, même au niveau matériel ou au niveau spirituel ou à plusieurs couches entre eux, parce qu'il y a une résonance, et dans l'univers, c'est comme s'il y a une attraction entre les choses qui sont de la même qualité de conscience.
Alors, si on est un peu conscient, on sent qu'il y a quelque chose qui vient, quelqu'un qui vient, ou les circonstances qui vont venir, à peu près, ça va venir en quelques jours ou quelques semaines, on peut sentir ça. Alors ça, c'est une manière dans laquelle ça se fait. Et la deuxième, c'est qu'il y a des forces actives, conscientes, des êtres spirituels, disons, qui essayent de réunir les gens qui travaillent dans le même sens ou lorsque leur travail est complémentaire pour un travail plus grand, pour l'aider l'évolution terrestre. Alors, ils font les liens, ils agissent sur les influences pour accélérer ce développement et ce contact. Je confirme ton sentiment, c'est tout à fait vrai. On croit qu'on est indépendant, autonome, et quelquefois on lutte. Moi j'ai un tempérament réactif, tu l'as compris, Fradalou. Par moments je réagis peut-être très fort en face de certaines choses, et j'ai tendance à réagir quand quelque chose cherche à m'influencer. Donc ma première réponse à une influence, c'est non. Je suis un peu en train de changer. Mais non, je n'irai pas dans cette direction. Non, je ne ferai pas ça. Non, non, non. Mais ces forces existent réellement et elles ont raison. C'est qu'à la longue, au fil des années, voire des dizaines d'années, je me suis rendu compte que ce qu'elles conseillaient de faire, même dans les sorties du corps, eh bien, était dans le bon sens du mien et de la collectivité humaine. Oui. Et j'ai senti ça parce que j'ai observé cette fermeture, non, quand quelque chose vient s'imposer. Mais c'est parce qu'il y a, c'était la différence dans notre trajet. Pour toi, c'était au commencement avec une résistance immense et un mélange très dangereux même, dans les enseignements qu'on trouve dans l'Internet et dans les New Age. Et c'est un mélange qui a des morceaux de vérité avec des mensonges reliés, et ça peut détruire tout. Et ça peut nous prendre hors de piste très facilement. Donc, le non, c'était comme si une protection. Je n'accepte pas jusqu'à ce que je vérifie. C'était la nécessité presque dans ton développement. Tu as bien vu ça. Et en fait, ça allait plus loin parce que, ayant vécu un certain nombre de choses et m'étant intéressé, parce que même très jeune, je lisais des ouvrages métaphysiques, on va dire, j'ai fini, jeune adulte, par rejeter en bloc toutes les spiritualités terrestres, en disant, c'est falsifié, c'est de la simulation, c'est du pouvoir, c'est de la manipulation des individus, il n'y a pas de profondeur, les gens prétendent des choses qu'ils ne sont pas, qu'ils ne font pas. Alors, je ne rentre pas dans les détails, hein, mais vous voyez de quoi je veux parler. Et donc, j'ai pris tout le paquet, j'ai dit, tout ça, c'est bon à jeter. Et c'est pour ça que depuis que je m'appelle Marco Burns, c'est-à-dire depuis une dizaine d'années, je dis, je ne fais pas de spiritualité du tout. Oubliez-moi, pas moi. Voilà, je fais autre chose, mais pas ça. Et grâce, je redis, grâce à Anne, qui a été pour moi un indice, quelqu'un qui m'a montré qu'il y avait une spiritualité concrète, on l'a encore vu hier soir. Hein. c'est concret. Il y a des choses vraies, il y a des personnes authentiques, des gens qui ont des méthodes, qui sont vraiment connectés à des choses supérieures et qui le vivent au quotidien. Mais c'est aussi mon expérience dans toutes les années, disons les dernières 20 années, que j'ai fait un peu des voyages partout dans le monde et j'ai eu l'occasion d'entrer en contact profond avec plusieurs traditions spirituelles, religieuses, yogiques, New Age, toutes sortes de personnes. Qu'il y a un mélange si grand que trouver comme si un fil pur de vérité d'or, c'est très rare. Mais j'ai eu des contacts avec quelques personnels. Dans toute une tradition, une personne, deux personnes, quelquefois, il y a trois personnes, mais c'est déjà beaucoup. Mais c'est rare. Et alors, ton expérience de vouloir comme si se séparer de tout, je comprends ça très bien et même pour moi, je ne prends pas une position aussi radicale. Je dis, à travers toute cette confusion, il faut trouver la chose et développer cette perception qui vous aide à guider. Et comment faire? Comment faire quand on n'a pas d'expérience concrète? Et c'est l'enseignement de Sri Aurobindo et de Mère qui dit, ne croyez rien en fait, expérimentez, allez vérifier, allez jusqu'au fond des choses. Vous allez vivre le nirvana, par exemple, l'extase suprême. Eh bien, Sri Aurobindo, il n'y a pas très longtemps que j'ai découvert, il est allé au bout du bout du bout, il est resté dans cet état d'extase pendant des mois.
jusqu'au bout du bout du bout, et il s'est dit, mais c'est pas la fin. Il y a autre chose à comprendre, il y a autre chose à explorer. Il s'est pas contenté de ce qu'il avait trouvé. Esprit admirable d'exploration. Et je découvre une méthode que je pensais, encore une fois, être le seul à avoir compris. Et je découvre un Himalaya, c'est le terme qu'on a utilisé ces jours-ci, de connaissances, de méthodes, de savoirs, de cultures concrètes. On n'a pas quelque chose de théorique avec un système de croyances qui est plus ou moins solide, mais qui en fait qui font que les gens tourneront. On a une méthode, et c'est l'enseignement que tu transmets et que tu développes, parce que c'est vivant. On a une méthode qui permet de dire à chacun, faites ça, et vous allez voir, vous allez apprendre de manière concrète. Alors, l'avantage que j'avais, c'est dans les enseignements de Sri Aurobindo, il y avait une description très rationnelle, mais en même temps qui a l'aspect de la force de l'expérience, parce qu'il écrit tout de la force de son expérience. Ce n'était pas parce qu'il a appris de quelqu'un qu'il répète, mais parce qu'il a vérifié dans son propre expérience. Et puis, il est allé voir s'il y avait les autres qui ont aussi eu les mêmes expériences. C'était comme ça son trajet. Mais il avait un pouvoir de, non seulement perception, mais d'expression si développé, si riche et si précise, que lorsqu'il décrit, ça vient avec le pouvoir de son expérience, et quand on lit, il transmet l'expérience. Alors tout d'abord, il y avait ce pouvoir d'expérience, et puis il y avait une structure très rationnelle, et il a écrit dans tous les aspects du développement de l'évolution de l'humanité, non seulement l'aspect du développement social et les rythmes du développement des cycles des civilisations et de l'humanité et même des extraterrestres, parce qu'il va au niveau essentiel des développements de psychologie universelle et l'unification de l'humanité au niveau politique, d'organisation, structure, etc., l'aspect économique et les principes fondamentaux qui animent l'humanité au niveau psychologique et spirituel. Et c'est ça qui est très intéressant, parce que toujours il va à l'essentiel qui est à la base toujours spirituel. Ou bien c'est notre âme, il utilise le mot notre être psychique pour séparer de l'âme superficielle qu'on considère notre âme, mais l'être vrai, l'immortel qui prend naissance, qui est le fil qui connecte toutes les vies en séquence. Mais en même temps, ça fait une partie du soi universel, cosmique, et qui transcende même l'univers. Alors, c'est là la référence, la question que tu avais posée, comment on trouve ça? Et là, il nous dit, dans nos profondeurs, on a déjà cette lumière de notre âme vraie. Elle est déjà pure, elle est réelle, elle est la vérité, elle fait partie de la substance divine. Et donc, c'est elle qui reconnaît qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est mélangé. Et si on peut se mettre en contact avec cette présence de plus en plus, bon, il y a une purification même dans son influence, mais quand on a cette influence suffisamment éveillée, elle nous guide. Et quelles que soient les apparences, elle peut nous guider avec cette précision sans erreur. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante pour le monde, pour l'humanité, qu'on a la clé en nous, et ce n'est pas quelque chose du dehors qu'on doit chercher. Et la question de la transmission se pose à ce moment-là. Et là aussi, toi et moi, on a eu des attitudes différentes. Je vais commencer à parler de moi, pour que tu puisses parler de toi. Moi, je n'ai pas cherché à transmettre quelque chose de nouveau. Et dans mon premier livre, ça s'adressait en fait aux gens qui étaient déjà au courant. Et je le dis au début, je veux dire, voilà, si vous avez vécu ça, si vous avez vécu ça, ce livre va vous servir. Si vous n'avez pas vécu ça, oubliez ce livre, laissez-le dans la librairie. Je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse à ceux qui savent déjà. Et donc, j'ai eu jusqu'à présent encore une démarche très élitiste en disant, ceux qui ne peuvent pas comprendre, vous m'oubliez. Hein, vous ne regardez pas mes vidéos, vous n'allez pas sur une page Facebook. Il faut que vous puissiez comprendre, parce que votre expérience est solide, mais il faut aussi un minimum d'intelligence. Parce que si vous ne l'avez pas, je ne vais pas pouvoir vous expliquer. Donc, je ne veux pas vous expliquer. Je ne veux pas perdre mon temps avec des gens qui, de toute façon, ne comprendront pas. Alors que toi, Shradalou, toi, c'était autre chose. Tu distribues, tu transmets, et tu essaies de rassembler un maximum. Tu fais un peu le contraire de ce que je fais. Oui, mais j'essaie pas de rassembler au maximum. Parce que là, il y a toujours une dilution.
Dans l'humanité, les gens qui vraiment cherchent l'expérience profonde spirituelle vraie, et pas quelque chose qui a l'apparence de spiritualité qui vous fait sentir « Ah, bon, ça c'est bon, j'ai eu un petit peu. » Les gens qui veulent la chose vraie et qui veulent se dédier à la recherche et l'expérience et le développement de la conscience sont très peu. Très peu. Et si vous essayez faire accès à un grand nombre, vous devez diluer le message, perdre ça, et pour moi, ça ne vaut pas la peine. Ah, on se ressemble alors. Oui. J'ai cru que tu étais une grande âme. Et que moi j'étais un sale type. Oui, mais bon, on en arrive aux mêmes conclusions. Absolument. Mais comment dire, ce que tu présentes au monde est beaucoup plus présentable que ce que je présente au monde. Non. Beaucoup plus sympathique. Alors, pour moi, la différence c'était que depuis mon enfance, mon tempérament, la nature de cette personnalité, c'était scientifique et enseignant. Alors, depuis mon enfance, je pensais toujours comment je peux exprimer cette chose d'une manière que les autres peuvent avoir la joie de cette découverte que j'ai eue. Alors, je faisais des petites expériences, je parlais un petit peu, mais c'était toujours dans l'espace de la science, avec une perception plus profonde. Mais même quand j'ai commencé à faire des cours plus formels... Tu as été enseignant longtemps, tu l'as encore. Un petit peu, oui. Je faisais des cours des enseignements de Sri Aurobindo, par exemple. Oui. Je restais au niveau théorique, à peu près, disons qu'est-ce qu'on fait pour la pratique. Mais c'était seulement un jour, c'était peut-être, ça fait maintenant 15-20 années, j'ai dit, c'est pas suffisant de parler. Il faut pouvoir transmettre l'expérience, ou avoir l'expérience, ou montrer comment avoir l'expérience. Alors j'ai commencé à faire des petites sortes de retraites, de méditation. Et j'ai dit, comme ça, peut-être, ceux qui veulent, ils peuvent avoir l'expérience. Tu as commencé quand? 2005. Ah oui, ça fait presque 20 ans. Oui. Oui, mais c'était complètement secret, je ne parlais pas de ça. Je faisais des sélections. C'était dans un cercle. Oui, des gens que je sentais avaient déjà un intérêt plus profond. Mais alors, après, en même temps, il y avait aussi des gens plus formels, ils voulaient des discussions. Alors là, c'est différent parce que je fais des présentations publiques, peut-être quelquefois avec des nombres plus grands, mais ça, c'est plutôt à un niveau théorique, mais aussi de mettre un aspect de l'expérience. Ceux qui l'ont, ceux qui le veulent, peuvent toucher un petit peu, comme ça. D'accord. Et c'est très récemment, ça fait 5 années, que j'ai vu, j'ai pas beaucoup d'années qui me restent dans cette vie, j'attends plus. J'attends plus. 50 ans, quoi. Oui, j'avais 50 ans à peu près. J'ai dit, bon, j'ai complété plus qu'une demi, et maintenant je n'ai plus de temps à perdre. Alors j'ai fait un choix conscient de réduire le nombre, réduire les voyages et concentrer avec des petits groupes qui veulent entrer en profondeur. Et c'est ça que je considère le plus important. Et alors, qu'est-ce que tu fais dans ces formations? C'est sur quoi tu travailles de manière essentielle? Oui. Tout d'abord, un niveau très... de compréhension plus profonde des enseignements de Sri Aurobindo, mais comment ça s'applique dans la vie quotidienne, pas superficielle, mais dans la vie quotidienne vraie, en profondeur, et comment mettre ça en pratique. Et aussi, en même temps, quelquefois des séances guidées avec, pour les concentrations, pour entrer dans ces états. Pour explorer d'avoir... les capacités oui, d'esprit. Absolument, oui, absolument. Et là, vous avez un problème, parce que tout le monde n'est pas intéressé, mais aussi tout le monde n'est pas capable. Et chacun a sa capacité pour entrer jusqu'à un point. Mais si on peut créer un espace, chacun prend d'où ils sont et passe un pas de plus. Et c'est peut-être la direction dont... C'est ton côté généreux. Moi, ceux qui ne sont pas capables d'avancer de 10 pas, je ne m'en occupe pas. Donc, ouais, je ne suis pas généreux. Mais alors, il y a un aspect un peu sombre de cette transition que j'ai fait. J'ai eu la perception, alors la mère avait parlé de ça en 1970-71, 2 ans avant qu'elle a quitté son corps. Elle a dit que si seulement l'humanité acceptait à changer, cette souffrance ne serait plus nécessaire. Et elle a même prévenu que si on ne change pas, consciemment, ça sera à travers les circonstances
gênante et comme si une civilisation qui entre dans un passage sombre, que les changements seront imposés sur l'humanité. Alors j'ai eu cette perception en particulier dans les dernières 5 années quand l'humanité était presque dans cette direction. Il y aura un passage sombre et la chose importante c'était protéger la lumière et l'expérience profonde avec quelques-uns pour qu'on puisse reconstruire une fois qu'on a complété ce passage à travers le sombre. Je ne sais pas combien d'années ça va prendre. Mais ça se fait déjà. Je comprends complètement ce que tu dis. Et paradoxalement, c'est peut-être moi qui vais être le plus optimiste, puisque j'ai constaté qu'on était aidés dans ce cheminement, non seulement par les êtres d'autres dimensions, parce qu'on a la même vision, j'ai découvert ça récemment encore une fois, que pour les voyageurs, les autres dimensions, c'est quelque chose d'extrêmement tangible. Et donc, c'est parfaitement décrit chez Aurobindo, par exemple. Pour nous, il n'y a pas la dimension 5, la dimension 6. Ce sont des vibrations, ce sont des mondes vibratoires, probablement peut-être en nombre infini, et qui sont plus ou moins lumineux, où il y a plus ou moins de conscience. Enfin, bon, tout ça, j'ai retrouvé chez Aurobindo récemment. Et donc, ce qui correspond à nos explorations, je parle au nom des voyageurs. Eh bien, je suis optimiste parce que j'ai constaté que tant dans les mondes, ils ne sont pas subtils, pour nous ils ne sont pas subtils parce qu'en dehors du corps, les expériences sont extrêmement intenses. Et donc, dans ces mondes qui ne sont pas les mondes physiques, mais également dans ce monde qui est le monde physique, on est assisté. On est assisté par des entités bienveillantes. Il n'y a pas que des entités bienveillantes et on pourra peut-être aborder le sujet, ça serait bien. On est assisté par des personnes bienveillantes, extrêmement puissantes et intelligentes, qui savent très bien ce qu'elles font et qui travaillent sur des dizaines de milliers d'années. Tu l'as constaté aussi. Oui, oui, et je suis complètement d'accord avec l'optimisme. La transition est inévitable. C'est seulement ce petit passage au milieu, si on accepte et on fait un effort conscient, ça sera rapide et joyeux. Si on ne change pas consciemment, ça prend plus long et c'est douloureux, c'est tout. Mais ça va se faire. Ça va se faire. À mon avis, ce sera douloureux, mais bon, on espère que ce sera autrement. C'est le choix. Ce sera douloureux, mais on constate ça. On parlait des forces opposées. Et alors, je parle encore une fois au nom des expérienceurs, des personnes qui font le voyage dans d'autres dimensions, hors de leur corps. Il y a vraiment des différences, je le rappelle, pour les voyageurs, entre les perceptions psy, qui permettent de se connecter peut-être à d'autres réalités, sûrement, ou même d'exporter nos perceptions par le champ d'énergie, et le voyage concret dans les autres dimensions, en partant vraiment du corps. C'est ce que faisait, elle faisait facilement, couramment, et elle sortait de son corps un peu comme tout le monde sort de sa maison. Donc, cette clarification faite, c'est plus ce que j'allais aborder comme sujet, nous les voyageurs, on n'a pas de référentiel. En général, on n'a pas d'autre référentiel que nos propres expériences. Et quand on s'est rencontrés, juste 2 jours, physiquement, on s'est présenté, et évidemment on a parlé de Shkaomito et de mer, et moi j'ai mis l'accent sur le fait que je n'ai pas de référence terrestre. C'est, pour moi, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de personne à suivre. Et ça, c'est aussi quelque chose d'affectif. Je vois toute la... Je commence à distinguer toute la puissance de ce qu'a transmis ces deux personnes dont on parle. Je pense qu'il y en a eu d'autres aussi, peut-être, qui ont moins d'écho. J'en suis sûr, sur la Terre. J'ai vu Auroville hier, et j'ai vu des choses magnifiques. Ce bâtiment en forme de boule d'or, ces jardins autour, je l'ai dit sur Facebook hier, j'étais extrêmement surpris de voir des courbes, une architecture que je connais et que j'ai vue dans d'autres mondes, dans les mondes supérieurs ou sur d'autres planètes. J'étais extrêmement surpris, je l'ai dit à Anne, j'en reviens pas. Je ne m'attendais pas à ça. Pour moi, c'était a priori, comme on voyait sur les trucs, c'était une grosse boule avec un truc joli autour. Mais non, j'ai vu ces proportions. Qui sont ces gens qui ont conçu cela, de cette manière-là,
forcément, forcément, ils ont été inspirés par quelque chose qu'ils ont vu ailleurs. Et donc, ça me donne un espoir supplémentaire, c'est qu'il y a véritablement des gens qui sont agissants, des gens qui ont circulé dans le monde supérieur et qui ont un plan pour l'humanité. Donc, il y a des forces qui sont vraiment agissantes. Notre conversation d'hier soir avec cette dame, je ne sais pas comment elle s'appelle. La Santi. Merveilleuse conversation. 93 ans, je crois, cette personne, qui jouait avec le dieu Krishna quand elle était enfant. Et Anne a perçu la présence de Krishna juste avant l'entrée chez Anne. C'était, voilà, c'était quand même assez c'était particulier, quand même. Hein. C'est un autre monde. Et nous, on est là pour témoigner que c'est un monde réel. Que les dieux de la tradition hindoue et peut-être des autres traditions existent réellement. Mais qu'il faut les remettre dans un contexte qui est plus rationnel, moins infantile, dans lequel on est dépendant des dieux, on se rapporte à eux, on leur demande des choses, et on délègue notre autorité, notre autonomie à ces gens-là. Donc on les prie. Alors que je suppose que dans les enseignements éclairés que tu transmets, on recommande à chacun d'être son propre maître et d'avoir sa propre autonomie. Oui, et aussi le problème avec le mot Dieu. Parce que ce mot vient de la tradition occidentale, mais en Inde, c'est une traduction d'une autre idée qui est beaucoup plus souple et complexe. Alors, oui, le mot en sanskrit, c'est Deva. Deva, on traduit comme Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Deva, si on va au niveau du son étymologique, ça veut dire être lumineux. Alors, des êtres lumineux. Alors, ça peut être des êtres lumineux à n'importe quel niveau. Alors, pour entrer dans une complexité de cette idée, et c'est le problème avec beaucoup de religions et d'autres traditions New Age, que à chaque niveau de la réalité, à chaque monde, vous trouverez des représentations divines, disons, qu'on peut appeler des dieux. Et même si vous avez une forme traditionnelle de Dieu de votre religion, il y a comme si une réflexion de cette forme dans toutes les couches de la réalité. Et on peut trouver cette forme à un niveau plus bas qu'on adore et on dit ça c'est la forme, mais ce n'est pas la même conscience. Et pour passer au-delà, aux couches plus hautes, jusqu'au monde des dieux qui est la source vraie de ces êtres lumineux, ça prend du temps et ça demande un développement nécessairement. Alors beaucoup de religions et beaucoup de même pratiques religieuses s'adresse à des couches inférieures qui vous donnent comme si une satisfaction de votre désir et prennent la position du divin. Alors ici, j'utilise le mot du divin au-delà de tous les dieux. Oui. La conscience unique divine qui est la source des dieux même, la mère divine, disons. Qui est au-dessus de tout. Oui, qui est la source même pour les êtres divins, les dieux. Et dans ce que Sri Aurobindo et la mère enseignent, on essaie d'entrer directement en contact avec la source, qui inclut tous ces aspects. On peut même dire que les dieux sont des aspects de la conscience originale. Et au lieu de se concentrer sur un aspect ou un autre, et les deux aspects peuvent entrer en collision, en contradiction entre eux parce qu'ils sont aspects, on entre en concentration sur la source, qui inclut tous les aspects. Et donc, dans un pas direct, on s'ouvre à la puissance la plus haute, la plus complète, la plus sage, la plus puissante et la plus amoureuse fondante, qui nous embrasse dans toutes les couches de notre être, qui nous aide, qui nous soulève, qui fait le travail d'évolution en nous. C'est expliqué dans les textes anciens où les dieux en fait peuvent se manifester de différentes façons en fonction du niveau où ils se trouvent en fait. Oui. Par exemple, c'est le cas de Krishna, je suppose. Oui. Et j'ai découvert un peu hier Krishna pour le coup. Et aussi, ils se projettent à des couches inférieures pour un travail spécifique. Ils se manifestent d'une manière particulière en fonction de la couche. Oui. Et il a l'aspect d'un jeune enfant, je crois, qui aime jouer, parce qu'il jouait avec... Ça, c'est un de ses aspects. C'est un de ses aspects. Plusieurs aspects. Et oui, il y en a beaucoup, je crois. Oui. Et moi, je témoigne d'une chose, parce que j'en ai jamais vraiment parlé, je ne crois pas en tout cas, c'est que lors des voyages hors du corps, on rencontre ces êtres-là.
moi, les premières fois, je pensais qu'on faisait une blague. Bon, c'était impressionnant, hein, quand même, hein, mais bon. Et maintenant, on est un peu habitué. Je dis, bon, est-ce que quelqu'un se fout de ma... se fiche de ma figure? Non, c'est très impressionnant. D'abord, leur taille en général, leur mental, leur lumière, les enseignements qu'ils nous donnent, ça pèse des milliers de tonnes. Hein. C'est pas quelque chose où on peut discuter, excusez-moi, non, je suis pas d'accord avec vous. Non, non. C'est quand ils disent quelque chose, même si on est dans l'ordre de notre corps et qu'on est dans le corps de lumière, on dit ok, t'as raison. On pense même pas à le contredire. Donc ces dieux existent réellement, j'en ai rencontré à plusieurs reprises de différentes sortes, mais j'étais pas prévenu. Je pensais qu'ils n'existaient pas, qu'ils avaient été inventés totalement par les humains terrestres, parce que moi je me suis éloigné de tout. Je me dis, voilà, tout ce que lui racontent les humains, c'est faux. Totalement faux, mais 100%. Et c'est un long chemin personnel où j'étais confronté, par exemple, quand j'ai rencontré les anges. J'ai cru qu'on se fichait de ma figure. Première fois, j'étais... Avec des ailes. Oui. Alors, et puis la première fois, j'étais... Encore une fois, j'ai cru que, parce que dans les mondes de lumière, on peut voler, on peut... Il y a beaucoup de choses. On peut prendre n'importe quelle forme qu'on veut. Voilà. Et quelqu'un peut prendre la forme d'un ange ou d'un dieu de votre tradition religieuse et de venir devant vous. Comment vous savez si c'est vrai ou pas? Et ben voilà. Donc un jour, par exemple, pour ça, j'étais dans un endroit très lumineux où il y avait des anges. Donc j'en ai pris un aux anges. Il a accepté de discuter avec moi. Et j'ai eu une longue conversation avec cette personne. Impressionnant, hein. Et lui, il a accepté de parler avec un voyageur idiot. Il s'appelait Mark Auburn sur le plan physique. Donc ces êtres-là existent réellement. Et c'est très surprenant. En fait, on se rend compte que l'humanité terrestre parle de choses, alors même en les ayant beaucoup déformées, mais qui sont absolument réelles. Et donc j'ai fait, moi, le chemin de destruction totale des croyances terrestres. J'ai tout mis par terre. J'ai, de toute façon, n'importe quoi, tout ce qu'elle raconte. Et petit à petit, par mon expérience, je me dis, mais ça c'est vrai, mais ça c'est vrai. Et les esprits de la nature, et les créatures, les fées, tout ça. La première fois que j'ai vu ces êtres-là, lors d'un voyage hors du corps, j'étais sidéré. Je pensais que c'était une invention. Mais c'est pas vrai de la manière que les gens le croient. C'est ça. Alors, je voudrais qu'on aborde, si tu en es d'accord, parce que c'est aussi évoqué, il n'y a pas très longtemps, je l'ai lu dans l'ouvrage de Sartre, qui s'appelle Schreurmido, l'aventure de la conscience, excellent livre. Il y en a certainement beaucoup d'autres, mais en tout cas, c'est celui que je suis en train de lire en ce moment, qui a des forces d'opposition. Et ces forces d'opposition, les voyageurs les connaissent bien. Ce sont des créatures, en général, qui sont habillées, enfin, dont le corps biologique est fait de matière, ce que j'appelle la matière epsilon, la matière soi-disant subtile dans le langage courant terrestre, qui pour moi n'est pas du tout subtil, parce que c'est de la quasi-matière pour moi. Et ces créatures-là sont la cause principale de notre ignorance, de notre sommeil, de notre esclavage. Et je fais juste une parenthèse en parlant des gens de l'IAC, pour qui j'ai beaucoup d'estime. La majeure partie des gens de l'IAC, je ne sais pas si tu connais cette organisation. L'IAC, c'est quoi ? L'IAC, International Academy on Consciousness, sont des gens qui forment les personnes en voyageur du corps. C'est à l'origine quelque chose de brésilien. Et ils disent, ok, vous voulez réaliser le voyageur du corps, mais vous allez commencer par vous libérer de l'influence des parasites énergétiques. Et j'ai retrouvé ça chez Sri Aurobindo, chez Satprem, récemment, en disant, il y a des forces d'opposition qui empêchent, qui sont là, pour empêcher l'être humain, en fait, de devenir conscient, lucide, autonome, libre. Parce que, pourquoi? Tout simplement parce que pour eux, on est du bétail, des vaches à lait. Et donc, ils nous influencent, ils nous endorment, ils nous égarent. Si tu veux bien, je veux parler de ça quelques minutes, parce que ça me paraît un point fondamental. Oui, mais c'est la bataille décrite dans toutes les traditions anciennes entre les dieux et les démons. Ça prend cette forme. Mais on peut les voir d'une autre manière aussi. Tout d'abord, pourquoi elle existe? Parce que la conscience divine est toute sagesse, tout amour, toute lumière. Comment est-ce qu'il peut manifester ou exprimer une forme qui est complètement l'opposé? Et cette perception que j'ai eue étudiant Sri Aurobindo, qui écrit que la conscience créative étant une conscience de liberté totale,
elle peut se manifester de n'importe quelle manière qu'elle veut. Elle peut se manifester dans un univers limité, à sa beauté seule, ou bien elle peut se manifester dans un univers qui représente la toute liberté. Et quand elle fait ce choix, alors il y a aussi la liberté de s'opposer à la volonté divine, à la conscience divine. Alors la partie de la manifestation qui choisit dans sa liberté à opposer, c'est ce qu'on appelle les démons ou les forces, on utilise le mot asura, en Inde. Ce sont des forces très conscientes, très intelligentes, quelquefois très puissantes, très intelligentes, qui se mettent en opposition à l'évolution et qui veulent comme si posséder, contrôler, etc., dominer. Et puis il y a des forces plus petites, des petits démons qui font des bêtises et des blagues. Mais on en a à la télé. Toute une hiérarchie de ces forces. Et ils s'intéressent aux humains, parce que c'est ici qu'il y a ce point de contact entre la force d'évolution et la liberté qu'on a, le choix. Alors comment faire avec ces... Oui, alors il y a une manière de voir ça. Et ça, j'ai trouvé très utile. La mère explique qu'on peut voir que ces forces ont entré dans notre conscience seulement quand il y a quelque chose en nous qui résonne avec eux. Exactement. Et leur travail, donc, c'est d'évoquer et exposer cette partie en nous qui doit être ou bien purifiée, ou bien solidifiée, ou rendue plus forte. Alors, si, c'est comme si quelqu'un vient et il veut vérifier l'immeuble, et il frappe jusqu'à ce qu'il trouve un point où ça craque. Elle dit « Ah, il faut réparer ça ». Alors, ils viennent vous aider dans l'évolution en disant « Voilà, ça, il faut changer, ça, il faut réparer, ça, c'est votre point de weakness, faiblesse. » Et si on le voit de cette manière, elle dit « Il n'y a pas de force négative. Ils sont là comme censeurs. » Pour vérifier. Et on peut les prendre comme une aide. Alors, ça change la relation. Oui, je partage ce point de vue. Oui. Simplement, la réalité, c'est que ces créatures-là leurrent énormément de gens. Là, je ne vais pas me faire que des amis, mais par exemple, il y a ce qu'on appelle les médiums, les voyants, tous les gens qui sont influencés par ces créatures-là. On a des gens qui se prétendent, c'est à la mode, connectés avec telle et telle peuplade, les Pléiadiens, par exemple, ce genre de choses, alors que c'est manifestement des parasites énergétiques. Absolument. Qui jouent sur un registre qui fonctionne sur beaucoup de gens. Et quand les gens ouvrent leur perception, ils sont comme des enfants vulnérables. C'est-à-dire que tout ce qui arrive sur eux, d'un seul coup, ils le prennent pour argent comptant. Nous, les voyageurs, on sait qu'il ne faut pas faire ça. Et donc, mon réflexe, toujours le même, c'est que quand j'ai... Même ma conscience, elle est, voilà, c'est un déferlement non-stop. Voilà, je me pose et puis j'ai des visions dans tous les sens, je sens plein de trucs. Donc, mon réflexe depuis toujours, ça a été de... Dès que quelqu'un me parle, c'est « dégage de là ». Même je les insulte, mais bon, c'est une c'est un enregistrement correct, je ne vais pas dire ce que je leur dis. Je les insulte et je dégage tout le monde. Ça m'a paru être la seule chose sensée, parce que sur le nombre, il y en a peut-être quelques-uns qui sont corrects, mais globalement, c'est quand même des mauvaises influences. Donc je dégage tout le monde, vous savez quoi, je me débrouille. Même si j'ai des preuves que ce qu'ils me disent est vrai. Et ça, évidemment, ils le font. Et donc, les gens qui sont sur le chemin spirituel, moi je l'ai constaté, c'est presque une règle générale. Ils se font égarer par ces entités-là. Absolument. Parce qu'elles sont extrêmement... Certaines sont extrêmement intelligentes. Et elles sont capables d'avoir un discours spirituel extrêmement élevé et même de copier les enseignements d'un tel ou un tel. Et comment faire la différence? Et non seulement ça, ils peuvent lire vos pensées. Bien sûr. Alors, ils connaissent ce que vous entendez d'eux. Et ils vous donnent ce que vous entendez. Et même les choses que vous avez oubliées, ils peuvent vous rappeler comme si ça vient d'une source de sagesse, pour développer précisément cette sorte de foi en eux. Et ils connaissent toute votre histoire personnelle, parce que c'est très facile de se brancher sur la mémoire énergétique. Donc ils vous disent, par exemple, votre grand-mère s'appelait comme ça. Ouais. Ton père, il faisait ci, il buvait, il est monté sur une échelle, il est tombé. Et ah, bah oui, c'est vrai. Et voilà, on rencontre un médium, on rencontre quelqu'un de clairvoyant. Et cette personne prend du pouvoir sur nous. Mais en fait, c'est les entités qui sont derrière qui ont du pouvoir sur nous. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Parce que leur travail, leur intérêt est de vous égarer de votre trajet spirituel. Ils veulent faire ça, consciemment. Et ils le font. Oui, ils le font. Et alors, c'est pour ça, dans les traditions spirituelles, on dit, n'entrez pas dans ces contacts inférieurs. Mais comment savoir si c'est inférieur? En général,
tout ce qui vient faire contact avec vous est inférieur. Parce que les sources les plus hautes ne feront pas ça, précisément parce que c'est cette sorte de connexion peut être imitée par les inférieurs. Moi, j'ai quelques trucs. Parce qu'ils ont leur manière de faire et on les repère à leur manière de faire. Quand ils vous disent que vous êtes un élu, c'est vrai, oui. Que vous avez une mission, oui. Que vous êtes spécial, ce genre de choses, que vous avez des qualités uniques, que vous êtes venu pour ceci, que vous êtes un gardien de la porte des lumières, oui, ce oui. genre de choses. Et on vous prépare pour une mission spéciale. Là, voilà, on, voilà, oui. on prépare. Mais... Ils jouent avec l'ego. Et vous mais oui, et les gens croient ça. Mais le problème, c'est que quand vous connaissez que ça, c'est leur truc, ils viennent changer leur truc. Maintenant, ils vont dire, non, vous n'êtes pas spécial, mais le travail que vous allez faire est spécial. C'est ça. Bon. Alors que, ça, c'est bon, voilà, on essaie d'expliquer. Ouais. Hein, si vous avez dans votre chemin il faut spirituel jouer. Oui. ce genre de choses, c'est gros comme une maison, comme on dit en France. Si on vous explique que vous êtes un être particulièrement lumineux, mm-hmm. Que vous êtes relié aux Pléiadiens ou aux gens d'Arcturus ou je ne sais pas quoi, ou à tel étage des anges ou cette créature angélique ou christique, on est en train de se foutre de votre gueule. Non, mais la chose la plus dangereuse, c'est que quand ils comprennent que vous connaissez ça, ils changent la forme et maintenant ils vous disent « Moi, je suis juste un passage pour la sagesse divine et voilà, c'est très facile de rendre les gens. » Alors, toute forme de médiumship, oui. est dangereux. Toute forme de médiumnité est dangereuse. Et on est d'accord. Jamais essayer d'entrer en contact avec ces êtres. Jamais essayer ça. Jamais. Le seul point de contact qui ne peut pas être imité, on a le mot hacking. Alors si vous avez un lien de téléphone, quelqu'un peut faire un hacking oui. et imiter l'autre personne. Oui, c'est comme ça, le piratage. Mais la seule chose qui ne peut pas être piratée, c'est le contact dans vos profondeurs, de votre âme, avec le divin. Avec le divin. C'est le seul qui est pur. Et donc, la chose la plus importante, c'est de devenir conscient de cette présence en vous. Et trouver la présence divine dans vos profondeurs. Et quelle que soit votre expérience à la première couche, sachez qu'il y a quelque chose de plus profond et de plus profond, jamais arrêté. Ça, je l'ai découvert avec Anne. Bah, oui, tu commences à la connaître un peu. Ça m'a vraiment étonné parce que j'imaginais pas ça. Mais moi, j'ai d'autres trucs. Quand on a des présences bienveillantes, je me permets d'en parler, et tous les voyageurs rencontrent ces présences bienveillantes. Ces gens-là, ces entités bienveillantes, elles ne parlent pas. Elles n'ont pas de message à transmettre. Elles ne vous flattent pas de quelque manière que ce soit. Elles se contentent d'agir. Par exemple, elles vous prennent par les pieds et elles vous tirent hors du corps. Et dès que vous êtes en dehors du corps, elles sont parties. Ou alors, quand vous êtes en dehors du corps, vous êtes dans un endroit où, par exemple, vous en difficulté, elles vous prennent par les épaules, et vous les sentez, hein, et elles vous tirent de là, et après, pareil, elles disparaissent. Jamais aucun commentaire, jamais aucun contenu psychique. C'est je te prends, je t'amène là, et je m'en vais. Nous, les voyageurs, on sait comment ces gens-là agissent, et on sait qu'ils agissent dans le sens de l'intérêt quand ils ne laissent aucune trace mentale, ils se contentent d'agir mécaniquement sur nous. Petit truc pour ceux qui voyagent hors du corps, j'espère qu'il y en aura de plus en plus. C'est no comment, je fais, j'agis, je te mets là et je m'en vais. Et même là, s'il y a cette discrimination de votre être psychique, ça vous expose s'il y a quelque chose mélangé dans oui. l'intention. Si vous n'avez pas ça, il y a toujours un danger, même d'être déçu, ah, même avec ça. Moi, j'ai, dans mon expérience personnelle, oui. j'ai jamais eu d'expérience négative à partir du moment où j'ai été traîné comme un chien. Parce que les 15 premières années où je vivais ce genre de choses, j'étais comme un chien en laisse, qu'on me tirait dans une direction. Mais celui qui te tirait, c'était... C'était mon sur-être. C'est ça. Et j'ai mis 15 ans à comprendre. C'est pas un être extérieur. C'était mon sur-être. Ça, c'est une chose très importante à reconnaître. Ne pas faire confiance aux êtres extérieurs, ça c'est très important. J'ai mis 15 ans à comprendre. Oui. Parce que quand on s'est présenté, je crois, Lou et moi, il y a deux jours, donc... J'ai expliqué que je suis un bricoleur, un artisan, un terrassier de la spiritualité, je ne sais pas comment on peut appeler ça, et que j'ai fait à peu près toutes les erreurs qu'on peut faire, plusieurs fois. C'est-à-dire, je suis allé dans les impasses, c'est, voilà, j'ai encore le même piège, encore les mêmes erreurs, les mêmes, et puis au bout de 15, 20, 30, 50 fois, j'ai dit, bon, je vais peut-être éviter d'aller dans ces endroits où il n'y a pas d'issue. Mais moi, parce qu'effectivement, sur le plan physique, je me souviens tout à l'heure, j'avais pas de maître, pas de livre,
Internet n'existait pas, et j'avais juste la mémoire de mes vies passées, mais j'étais aussi aidé par les gens qui étaient de l'autre côté. Mais il y avait une chose très importante dans ton cas, c'était que j'ai senti tout de suite dans le livre, c'était qu'il y avait toujours cette influence qui vous sauvegarde des profondeurs de l'être. Votre être, si vous avez utilisé le mot... Sur-être. Sur-être, qui était toujours là, qui indiquait, qui donnait clarté et qui vous donnait toujours une warning. Un avertissement. Un avertissement quand il y avait un danger, vous l'avez senti. Oui. Avec la réserve que hors du... Sans ça, ça serait très facile de se perdre complètement et même de perdre la vie physique. Oui, oui. Vous avez eu des expériences comme ça. J'ai eu des expériences comme ça, mais en dehors du corps, c'est une longue habitude, je pense qu'on est assez invulnérable si on est stable dans son esprit. Oui. Si l'esprit est stable, la forme déjà du corps astral est stable et la direction que l'on prend, elle est stable. Et il n'y avait pas aussi cette sorte de... cette idée de devenir enseignant, l'ego, de devenir grand, il n'y avait pas ça. Non. C'est souvent la chose qui pervertit et qui vous prend. Non, au contraire, j'ai lutté contre ça parce que... Alors tout ça, ça venait du passé, du travail déjà fait, du développement de soi. Parce qu'en fait, pour moi, j'en ai jamais vraiment parlé, mais dès l'âge de 25 ans, où il s'est produit des choses particulières dans ma vie, où j'ai... L'ambition, j'ai cherché, le perte de l'ambition. Oui, non, mais ça c'est très difficile. On m'avait dit ça, hors du corps. On m'avait dit, tu vas transmettre des choses. Et moi j'ai dit, non mais vous me prenez pour qui déjà? D'abord, un, j'ai pas envie, deux, je suis pas compétent. Et puis, cette humanité-là, merci, c'est pas la peine d'essayer de leur expliquer quelque chose. Donc, j'ai refusé ce rôle-là pendant très longtemps. Et je voulais rester en vacances, m'occuper de ma vie tranquillement. Ça, c'est le premier point. Et puis, je voyais à quel point nombre d'enseignants sur cette planète sont des faux enseignants aussi. Et moi, j'en ai rencontré, même jeune. J'ai raconté dans mon premier livre quelques anecdotes où je me souviens d'un type que j'avais vu dans une ville comme ça, qui était quelqu'un qui avait pignon sur rue, un voyant. Et me voyant réagir d'une manière un peu brutale face à ce qu'il avançait, il me dit « Mais vous savez que je peux tuer par la pensée ?» Moi, ça m'a fait rire. Je suis parti, mais ces gens-là sont légion aussi. Ce sont des abrutis, excusez-moi, hein, c'est la vidéo aussi. Mais il y en a beaucoup. Donc, on est. Restons dans quelque chose de solide. Ne croyons rien par nous-mêmes. Restons dans l'expérimentation. Et puis, Napoléon avait un mot. Quand il recrutait des généraux, il ne disait pas simplement décrivez-moi vos compétences. Il leur dit, est-ce que vous avez de la chance? Parce que si vous n'avez pas de chance, vous avez beau avoir étudié tout l'art de la guerre, etc., je ne vous prendrai pas comme général. Je crois qu'il faut avoir aussi de la chance dans cette affaire-là, de l'intuition et de la chance. La mère parle de cette chose, elle utilise le mot sincérité. Si vous avez cette honnêteté, sincérité en vous, que vous êtes transparent avec vous-même, il n'y a pas d'une prétention. Alors, ça vous protège. Et ça, j'ai vu dans ton livre depuis le commencement. Et c'était ça qui t'a protégé dans ton trajet, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut aborder maintenant une autre thématique, si tu veux bien? Puisqu'on a, on avait débattu entre nous un certain nombre de choses. Et je trouve intéressant de développer... la vision que tu as, que Jérôme Hinault avait, de l'évolution de l'espèce humaine. C'est-à-dire, on part d'une situation présente, il y a eu un certain passé, et c'est quoi le devenir de l'humanité? Comment ça va se passer? On n'est pas forcément d'accord sur cette thématique-là, et on va exposer nos idées respectives à ce sujet, si tu veux bien. Oui, mais on est d'accord de l'idée de l'évolution humaine. Oui, il est très habile. Alors oui, je veux dire à nos spectateurs, c'est plus qu'un enseignant, c'est un habile négociateur, Chanel. Il est très bon. Il est capable de vous dire mettons-nous d'accord sur le fait qu'on ne soit pas d'accord. C'est un bon point de départ. Non, mais on a beaucoup en commun même sur ce sujet, parce qu'on reconnaît qu'il y a un développement évolutionnaire. Et évolution n'est pas changement, n'est pas seulement développement.
Évolution, c'est quelque chose de nouveau qui sort du passé où il n'était pas là. Et chaque instant, il doit, dans, à chaque étape, il doit avoir quelque chose de nouveau qui n'était pas là, qui est comme si un miracle quand il sort. Quelque chose de vraiment nouveau. Oui. En conscience, en capacité, en développement de la conscience. Qui n'est pas un développement du passé, mais quelque chose d'entièrement, oui. Donc quelque chose qui vient alors, d'ailleurs. Les rochers. Si vous venez sur la planète Terre et on dit, on voit les rochers, on dit, c'est tout ce qu'il y a, rien d'autre n'est possible. Mais puis, on voit qu'il y a cette conscience, disons, ce pouvoir du vital, du plan vital qui entre dans les rochers et s'éveille et organise les rochers pour devenir plantes. Maintenant, la plante, au niveau matériel, est formée des rochers, des molécules de rochers, mais elle exprime une conscience complètement différente. Elle est vivante et les rochers sont morts. C'est comme si l'opposé, un miracle a été créé. C'est la vision évolutionniste que les Christophe Mido émet. Oui, oui. Et donc, on prolonge encore. Et du plante, on vient aux animaux. Maintenant, ce qui était vivant, mais inconscient ou subconscient, devient conscient. Et dans les animaux, le développement humain, c'est la conscience qui est consciente d'elle-même. Et c'est le premier point dans l'évolution de la nature, parce que la nature nous pousse à éveiller à ce niveau, c'est le premier point où on peut commencer à participer dans notre évolution. On dit, ah, je suis conscient que je suis dans cet état, mais je peux changer mon état de conscience. Je peux même développer cette qualité de conscience et m'éveiller à la source de mon pouvoir de penser, par exemple. Et donc, on peut participer dans ce que la nature faisait pour des milliards d'années. Et en participant, on peut le compléter peut-être en quelques années ou quelques vies, oui, peut-être. Accélérer l'évolution. Oui. Alors, cet aspect d'accélération d'évolution et le choix qu'on a à participer dans ça, ça c'est nouveau, disons, d'une manière. Et en particulier, à cet instant-là dans le monde, c'est comme si presque toute l'humanité est prête dans cette capacité. Alors, il y avait des âges où la plupart des humains n'étaient pas capables de ça. Il y avait une élite qui prenaient la position des dieux ou des maîtres pour les autres. Mais aujourd'hui, nous sommes tous capables en principe. Mais est-ce qu'on fait l'évolution collective ? Oui. Absolument. Au niveau collectif, on est prêt. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant ? Quelle est cette étape prochaine ? C'est au-delà de notre capacité de pensée mentale. Et notre capacité mentale est finie, limitée. Elle agit avec des morceaux de connaissances. Elle n'est pas même capable de concevoir l'infini. Alors, une des choses que j'ai beaucoup aimé de ce que tu as dit quand on s'est rencontré, que l'univers, c'est infini et éternel. Il n'y a pas un commencement. Et si vous dites ça aux scientifiques, ils disent, mais on ne peut pas concevoir sans commencement. Il faut avoir un commencement ou bien un Big Bang, oui. Qui continue à s'écraser et recommencer. Big Crunch, mais ça continue à répéter, mais il doit avoir quelque chose. Ce n'est pas vrai. On est d'accord, Charles-Louis, moi, et même l'infini. L'infini, il vous dit, si vous continuez dans une direction, vous revenez là où vous avez commencé. Alors c'est fini donc, c'est borné. C'est borné. C'est pas vrai, c'est infini. C'est pas vrai, c'est infini. Oui. On est d'accord. Oui. Mais notre mental n'est pas capable de concevoir ça. Mais il va le devenir. Parce oui, que l'être humain va c'est évoluer. Ça. Alors, notre mental est comme si une projection inférieure d'une capacité de conscience plus haute qui est infinie. Non seulement elle peut concevoir, elle existe dans l'infini. Et donc, quand on s'ouvre à ça, non seulement on devient capable, mais on peut comme si monter dans cette conscience plus haute. Et comme les animaux sont évolués au niveau de capacité de notre capacité humaine, les humains peuvent s'évoluer à capacité de cette conscience plus haute, mais c'est la chose maintenant qui est très importante. Chaque étape de l'évolution, une nouvelle conscience se retourne vers tous les niveaux inférieurs et les soulève à sa capacité. D'accord. Par exemple, donc, notre corps et tous les instincts animaux en nous ont été pris par notre conscience mentale et raffinés, développés et même pris à un niveau qui ne sont plus animaux. Quand on mange, par exemple, on ne mange pas comme les chiens, avec une gourmandise instinctive, on mange avec une délicatesse, même une appréciation mentale de beauté, de goût et de couleurs. Là, partout, hein. Oui. 11 000 par kilomètre carré. Oui, mais alors de la même façon, cette conscience qui est infinie, qui est capable d'une sagesse et d'une puissance extrême, elle prend notre conscience mentale et l'éveille, transforme. C'est ça le supramental. Alors, la conscience la plus haute, c'est le supramental, mais entre ça et notre mental, il y a plusieurs couches.
on peut passer à travers. Plusieurs strates d'évolution. Et tout ça, c'est le passage prochain dans notre évolution humaine, inévitable, parce qu'elle est là. Même si on ne fait rien, elle va se manifester. Mais puisqu'on a cette capacité consciente d'évoluer, on peut le faire dans une vie peut-être, ou en quelques vies, si on choisit au niveau collectif, ça sera plus long, mais au niveau individuel, on peut le faire dans une vie, si on le choisit. Alors, ça me permet peut-être, bon, peut-être qu'il y a une autre vidéo pour développer cet aspect-là, mais peut-être on pourrait rebondir sur quelque chose d'inhabituel pour un maître spirituel comme toi. Je ne suis pas maître. Oui, alors... Maître, c'est quelqu'un qui a une maîtrise. Oui, mais c'est... Justement, je voulais souligner le fait que dans la communauté de pensée que tu représentes, il n'y a pas de hiérarchie. Alors, ça, c'est... Mais je peux quand même t'appeler maître. Non, je rigole. C'est aussi ma conception. C'est qu'on est tellement tous proches les uns des autres sur cette planète Terre, avec des capacités qui sont peut-être un peu différentes, mais tellement peu différentes, que ça ne mérite pas d'avoir une position particulière par rapport à un maître. Alors tout dépend du but. Alors, et si vous prenez, disons, un système religieux, oui, où le but est d'aller d'ici à là, développer cette capacité, alors il y a des étapes, et on peut faire une hiérarchie artificielle. Oui, mais souvent cette hiérarchie, elle est créée pour empêcher, pour maintenir les autres. Alors oui, oui, ça c'est... Mais tout de même, il y a une hiérarchie et des étapes de développement. On peut dire, ah, lui, il est plus développé que moi. Mais c'est ça la différence avec Sri Aurobindo, parce que Sri Aurobindo concevoit non seulement des étapes linéaires, mais un développement complet de toutes les parties de notre être vers plusieurs aspects de la conscience divine simultanément. Alors, c'est pour ça qu'il l'appelle un yoga intégral, parce qu'il y a un développement intégral, une transformation intégrale. Il réunit tout, il dit que par exemple, tout ce qu'on fait dans la vie peut être du yoga. Tout est inclus, toutes les couches de notre être sont incluses et divinisées. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on oui. Et donc, on ne peut pas dire que quelqu'un est plus évolué que moi, parce que lui, il est développé dans cette direction, moi je suis dans d'autres directions, et quelqu'un d'autre, un autre point de départ. Et dans l'éveil de la conscience plus haute, il y a des degrés d'intégration avec les couches. On ne peut pas comparer. Pas d'hierarchie. Non seulement ça, le but est si grand, si haut, si complet, que tout le monde est comme des petits enfants devant la présence divine. Là, on partage exactement le même but. On va continuer, parce que peut-être de manière inhabituelle, peut-être en Inde, et en tout cas dans ce genre d'approche spirituelle, puisqu'on a eu une conversation privée, toi et moi, il y a deux jours, dans notre rencontre physique. Et dans cette rencontre privée, on a abordé quelque chose de peu habituel. Je répète, c'est la réalité de la présence de personnes non terrestres dans le cosmos humain général et très probablement ici sur Terre. Donc on a, c'est pas tellement habituel que quelqu'un qui est dans les courants spirituels de l'Inde parle de ça. Je sais que ça se fait ailleurs, hein, mais je sais aussi que les gens ne font pas attention quand les gourous parlent de ça. Souvent quand les personnes qui sont des leaders spirituels parlent de ça, ils commencent leur discours en disant « Je sais que vous n'allez pas faire attention à ce que je vous dis. » Mais on a abordé cette question tous les deux et tu t'intéresses à la question. Tu voudrais t'exprimer à ce sujet ? Oui, c'est vraiment, on rentre dans l'inhabituel. Oui. Alors il y a deux aspects de cet intérêt dans les extraterrestres. Quand j'avais à peu près 11 ans ou 12 ans, je ne sais plus maintenant, 10 ans, 11 ans peut-être, c'est comme si l'être plus profond s'est ouvert vers le futur de l'humanité et j'ai reconnu qu'il nous faut deux technologies très importantes si l'humanité doit survivre cette crise. La première, c'était l'énergie libre. La deuxième, c'est l'antigravité. Et donc, à cet âge, j'ai commencé à étudier la physique pour comprendre cette technologie. Et j'ai conçu qu'il y avait non seulement... Ils ont fait une grande erreur d'enlever l'éther de la physique. Elle était là jusqu'à l'an 1905. Et en 1905, on l'a enlevée. On a enlevé l'éther dans la physique. Et on a perdu la chose qui unifie la réalité, vous voyez. Et alors, tout ça, j'ai compris, mais j'ai essayé d'entrer. Mais c'était avec ça que je me suis intéressé à étudier les rencontres avec les soucoupes volantes. Parce que c'est quoi la technologie? Ils l'ont déjà. Et c'est quoi? Est-ce qu'on peut observer les mouvements des soucoupes et des phénomènes autour
pour, d'un aspect d'ingénieur, reconnaître la technologie utilisée. Alors, j'ai lu tous les livres que je pouvais et j'ai essayé d'entrer dans ça. Il a l'esprit extrêmement curieux. Ouais. Ça. Alors, ça, c'était, des choses, hein. Ouais, ça, c'était si, un si aspect. Si tu dois faire 5000 km pour aller voir quelqu'un, ouais. Il le fait. Oui, j'ai même eu des contacts avec des gens qui avaient développé ces technologies et tout ça. Bon. Alors, ça, c'est un aspect pour les extraterrestres, mais avec ça aussi, il y avait l'autre aspect qui représentait cette question. C'est quoi leur relation dans leur évolution et notre évolution? Oui. Et est-ce qu'ils ont une évolution équivalente, comme nous, au niveau matériel et aussi psychologique ou spirituel? Alors, ce que j'ai vu dans les écritures de Sri Aurobindo et de la mère, ils ont parlé de ça aussi. Pas trop, mais suffisamment pour nous donner une indication. Mais ce qu'il a fait, c'est très intéressant. Quand Sri Aurobindo explique les principes d'évolution et de développement ou des pratiques spirituelles, il va au premier principe toujours. Et à ce niveau de premier principe, c'est un principe universel. Universel, c'est valable pour tous les êtres. De la tous les êtres, de tous les extraterrestres, de toutes les planètes, dans toute notre dans toutes les réalité. Oui. Et même aux autres niveaux des plans de conscience. Oui, même des plans de conscience. Parce que c'est, les principes sont les mêmes. Les principes sont les mêmes. Oui. Alors, il écrit de cette manière, mais tout le monde ne lit pas de ces manières. Tout le monde ne fait pas attention à ouais. ça. Parce pour moi, parce que j'avais déjà cette ouverture à cet aspect, j'ai même vu une soucoupe volante. Tu as vu, oui, tu oui, as oui, vu oui. parce que là, c'est oui. quand même une expérience directe. Et à un autre niveau, j'ai eu un contact, disons, dans un rêve, mais un rêve qui était lucide presque. Tu savais que c'était un contact oui, avec oui, absolument. Un oui. non-humain oui, oui. ou des non-humains. Oui, oui. Et aussi qu'il y avait un danger pour eux de s'exposer aux humains, tout ça, j'ai aperçu tout ça. Bon. Alors, quand je lis Sri Aurobindo, je vois de cette manière l'application universelle de ça. Et quand je décris dans mes enseignements, élaborations, je décris ça. Je dis, vous voyez ça, il décrit cette chose, c'est pas beaucoup, on ne voit pas beaucoup sur la Terre, notre Terre, mais sur les autres planètes, c'est très commun, comme ça. Oui. Oui. Alors, ils ont une perspective universelle. Dès l'évolution. Ça, c'est très spécial. Alors, bon, voilà, c'est, donc on a quelqu'un ici qui est dans un courant spirituel authentique, mais qui nous parle de son intérêt pour les extraterrestres. On a abordé cette question-là, on a eu une discussion assez fournie par rapport à ça. Et puisque Shradalou est très curieux et très méthodique, c'est quelqu'un d'intelligent, hein, de scientifique, je pense, une démarche scientifique que tu appliques dans tous les domaines. Et on n'a pas été d'accord sur la spécificité, si tu veux qu'on aborde le sujet, puisque après tout, pourquoi pas. On a deux points de vue qui sont légèrement différents. Sur la... J'essaie de résumer le point de vue, mais c'est pour Sri Aurobindo et Mère, cette planète, cette humanité, ce moment en particulier, sont spécifiques, uniques, dans toute la création. Non, pas exactement. C'est pas ça. Non. Il a même dit que la crise qu'on passe à travers, ça a été fait plusieurs fois, non seulement sur cette Terre, mais aussi sur d'autres planètes. Ça, c'est très clair. Ok. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe sur cette planète? Oui, alors il y a un aspect spécial. Et ça, c'est quelque chose que la mère explique. Alors, est-ce que je peux expliquer aussi mon point de vue, pourquoi c'est spécial, okay? Ou la logique de ça? Quand vous voyez dans l'univers, dans l'évolution, et même si l'univers est infini et éternel, il y a une évolution dans l'univers partout, n'est-ce pas? Et il y a des choses qui se manifestent dans l'univers qui n'ont jamais été jusqu'à présent. Entièrement nouvelles. Mais quand ça se manifeste pas partout également instantanément. Ça se manifeste dans des centres qui sont plus près, plus ouvertes. Il y a une forme de localité. Absolument. Alors donc, il y a quelques planètes, disons, où cette manifestation peut être sentie d'avance, où la readiness, la préparation, la préparation, le fait, la préparation est plus avancée, et donc ça commence là. Alors il y a des aspects qui représentent le futur de l'univers qui se manifestent sur quelques planètes d'avance. On accepte ça. Il y a une petite avancée par rapport à il y a deux jours. Oui. On doit accepter ça, c'est logique, n'est-ce pas? Okay. Parce que ça ne se fait pas partout instantanément. Donc, la seule question reste, est-ce que notre Terre est un centre pour ça? Alors ça, je ne peux pas vérifier parce que je n'ai pas eu le contact suffisamment avec tous les autres. Mais la mère nous le dit de cette manière, qu'il y a
le principe qu'elle appelle le principe psychique, l'individualisation de notre âme, et pour le développement collectif avec l'individualisation de l'être psychique, notre Terre est comme si un point focal pour cet effort. Ça ne veut pas dire qu'autre part ça ne fait pas. Ça se fait aussi un peu partout. Mais ça, c'est un point focal où il y a une concentration spéciale pour développer cette possibilité. Et donc, même pour quelques extraterrestres, c'est un point de curiosité. Ah, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va marcher? Voyons. Okay. Il y a ceux qui disent, non, ce n'est pas possible, on n'est pas intéressé. Ça aussi, c'est possible. Mais si c'est vrai, cette transition qu'on fait à un niveau très superficiel, c'est commun avec presque toutes les planètes. Au niveau technologique, il y a eu d'autres planètes qui ont eu les mêmes crises et ils sont détruits, avec des guerres nucléaires aussi. Oui. Il y a d'autres qui ont fait un passage très vite, très rapide, et nous sommes un peu entre les deux. Ça, c'est commun partout. Mais cet aspect de l'être psychique individualisé, c'est quelque chose de spécial, et comme si notre Terre est un point de concentration. Peut-être il y a d'autres, mais ça, c'est spécial de cette manière, c'est tout. C'est un point sur lequel on a un léger écart de point de vue, parce que, de mon point de vue, non, ce n'est pas le cas. De mon point de vue, il y a de très nombreuses planètes, et il y en a rien dans notre galaxie, ça chiffre en millions, peut-être en dizaines de millions, qui hébergent des populations avancées, qui sont déjà passées par ce stade, certaines fois il y a des centaines de millions d'années. Ça c'est de mon point de vue. Oui, j'accepte ça aussi. Il y a des planètes où il y a un développement spirituel extrêmement développé en comparaison avec nous. Je prends juste ce qui est dans ma mémoire, oui. Et je parle de SS3, alors, voilà, qui est un système, toujours là, sur lequel il y a trois soleils, sur cette planète-là, et je retrouve avec un autre vocabulaire ce qui est exprimé, ce que tu exprimes en termes d'évolution individuelle et collective, par exemple, sur la conscience. C'est un saut évolutionnaire qu'on a fait sur cette planète-là il y a déjà extrêmement longtemps. Je reconnais exactement ça, mais c'est avec une autre forme physique, c'est avec un autre mental, mais c'est, en substance, c'est la même chose. Et je soupçonne, à partir de cette mémoire-là, que ça soit beaucoup plus répandu que ce que Mère a l'avance, et c'est là-dessus qu'on a un tout petit écart de point de vue. Voilà. On ne peut pas être d'accord sur tout. Oui, ça va. Mais aussi, je veux élaborer un petit peu ce point de différence pour clarifier pourquoi c'est différent. Parce que c'est possible, par exemple, qu'on monte dans une conscience plus haute, on vit dans cette conscience, en ignorant les couches plus inférieures, qui ne changent pas ou qui ont au maximum un petit peu de changement par la réflexion de cette lumière plus haute. Et on a beaucoup d'exemples sur notre Terre, des saints et des yogis qui étaient très évolués spirituellement, mais sur l'aspect de leur caractère physique, ils étaient complètement normaux et quelquefois même peu crudes. Un peu moins normal. Oui. Et c'est possible de faire ça. Et c'est possible de vivre dans une conscience plus haute sans changer la conscience inférieure, sans changer la vie quotidienne dans laquelle on s'exprime. C'est-à-dire tu pourrais être très élevé spirituellement et être un homme politique français quelconque, par exemple. Oui, absolument. Mais on peut choisir aussi de manifester ça et transformer. Et ce n'est pas tout ce qu'ils le font. C'est le yoga intégral, ça c'est... Oui. Tout ce qui est nous, en fait, quelque sorte, oui, est entraîné dans cette évolution. Oui. Alors, Sri Aurobindo, par exemple, quand il a atteint la conscience qu'il appelle supramentale, bon, il y a d'autres personnes qui l'ont fait, même sur notre Terre, il a vu les traces de ça dans les descriptions des Védas, les rishis, les saints du Véda, vivaient dans cette conscience. Il l'avait même manifesté et transformé au niveau mental, qu'il décrit aussi. Il vous donne les traces, il explique comment ça décrit ses expériences. Il a trouvé ça après qu'il a eu les expériences. Mais d'au-delà, quand cette conscience entre au niveau approchant du corps physique, il a trouvé que dans l'univers, il n'y avait pas les traces des gens qui ont travaillé sur ça. Alors, cette trace... Il pense que c'est complètement nouveau. Voilà. Il a senti, ce n'est pas pensé. Oui, il sent. Alors, quand on travaille sur un changement de conscience, il y a une trace qui se reste dans tout l'univers. Maintenant, quelqu'un d'autre fait le même effort, même sur une autre planète,
il y a comme si le soutien de l'effort fait par les autres, dans l'univers, dans la substance. J'entends ça. Oui. Alors, c'est comme ça qu'on a une évolution collective. Si 10 entre nous ont une expérience profonde, pour les autres, ça devient plus facile parce qu'il y a déjà cette trace. Et on est tous reliés dans l'univers. Alors, ce qu'il a senti, c'est pour le travail de transformation de la matière, le corps matériel, avec la conscience supramentale, il n'y avait pas une trace dans l'univers. Et donc, ça, c'est quelque chose qui semble être nouveau sur notre Terre. Wow. Oui. Je répète, pour moi, c'est ce que j'appelle les bulles de réalité. Chaque planète est en quelque sorte dans une espèce de matrice, des bulles de réalité. Et ce qui fait que toutes les personnes, parce que je me suis posé la question récemment, pourquoi tous les méditants, bouddhistes ou autres de la planète aboutissent à la même circulation en rond, et tournent en rond globalement, et que c'est, en fait, ils n'ont aucune transformation. Ça peut être des gens très sympathiques, ou très antipathiques, ils méditent, ils atteignent des états relativement avancés, et puis derrière, c'est vraiment des gens qui, frappent leur femme, qui sont ivrognes, ou n'importe quoi. Donc, c'est la question que tu soulèves en disant, on doit intégrer tout ça. Mais pourquoi est-ce que tous ces gens-là, en fait, s'y pratiquent une méditation ? La méditation, c'est pour moi, je ne pratique pas la méditation, ce que je fais, c'est autre chose. Mais c'est au bout d'un moment, c'est que tu peux sortir de la bulle, la bulle locale. Et inévitablement, quand tu pratiques une forme de détachement, tu finis par sortir de ça. Alors tout dépend de notre conception de pourquoi nous sommes ici. Il y a deux questions. Qui nous sommes ? Bon, là, on est d'accord, on est la réalité maintenant concentrée dans une forme. Mais pourquoi ? Alors si on pense qu'on est ici par chance, ou bien qu'on a été attiré ou attrapé dans une illusion, oui. Alors sortir, c'est la seule chose à faire. C'est les théories bouddhistes. Oui. Et aussi, La malédiction, et il faut sortir du cycle. Oui, et même dans la tradition indienne récente, il y a cette idée que le monde est une illusion, et donc sortir de l'illusion, c'est l'objectif. D'accord. Mais si on accepte, ou si on aperçoit que le monde est une expression de la conscience divine, une expression évolutionnaire qui veut manifester la beauté, la perfection, la sagesse, le pouvoir, l'amour divin dans la matière, dans la forme. Alors tout a un sens, il n'y a pas de piège. Non seulement ça, tout ce qui nous est donné, c'est un instrument qui doit être perfectionné et pas détruit. Il inclut nos pensées et le corps physique. Même s'il soit si sale et si limité et si dense, c'est un passage d'évolution à travers lequel il va devenir substance divine. Et c'est pour ça qu'on est entré. Alors tout dépend du sens qu'on a de notre objectif dans cette incarnation. C'est complètement différent. C'est deux approches métaphysiques complètement différentes. Absolument. Moi, il me semble que les rishis pensaient plutôt comme ça. Oui. Au commencement, ils pensaient comme ça. C'est ça, c'est la fondation de la spiritualité indienne. Mais après le bouddhisme, il y a eu comme si une séparation de la matière et du monde superficiel qui est devenu un domaine de souffrance dans le bouddhisme. Oui, et puis, et après ça, c'était l'enseignement qui est venu qui disait oui, c'est une souffrance, mais d'une souffrance est une illusion, donc le monde est une illusion. Et donc sortir du piège est devenu l'objectif de presque toutes les écoles, chercheurs. Avec ça, la. Du nirvana, c'était oui. Dans lequel on sortait de ça. Oui, et la. Aurobindo a montré que c'était pas. Oui, et bien, avec ça, la civilisation indienne a aussi perdu sa force. C'est ce que Sri Aurobindo indique. Et redécouvrir la spiritualité affirmative qui embrasse et transforme la vie, c'est le message de Sri Aurobindo. On est au cœur de quelque chose d'extrêmement important. Oui. Et le futur de l'humanité dépend de ça. Ce n'est pas une spiritualité qui sort de la vie qui va nous donner le futur, qui va sauver la Terre ou l'humanité ou l'univers, disons. Mais c'est une acceptance de la vie d'une conscience libérée. Alors la libération est nécessaire, mais comme une étape pour transformer. J'utiliserai un terme personnel que j'appelle le pouvoir. Oui. C'est-à-dire qu'on redonne à l'humanité, à l'individu, et à la collectivité, un véritable pouvoir. Oui. Et un pouvoir de manifester sa divinité, son potentiel vrai, disons. Et on a exposé
c'est quelque chose de très profond, je trouve. C'est très important. C'est très important. Cette perspective, effectivement, que tu exprimes et sur laquelle j'ai tendance à adhérer, effectivement, parce que je n'ai pas du tout la vision couramment admise dans le New Age, on parle beaucoup du New Age, que les incarnations sont une espèce de malédiction dont il faudrait sortir à tout prix, parce que mon expérience personnelle montre l'absolu contraire de ça. Parce que je me souviens de pourquoi je suis venu, comment j'ai organisé ma dernière incarnation et d'autres, des séjours dans les mondes supérieurs et des séjours sur d'autres planètes. Et je sais que ces histoires-là, elles sont au minimum universellement fausses, et en tout cas, elles sont fausses pour moi. Oui, absolument. Au minimum. Absolument. Donc, j'adhère beaucoup plus à ta vision, Shradalou. C'est pas parce qu'on est là devant la même caméra, les mêmes caméras. Oui. Mais aussi, c'est la raison pour laquelle il y a ce mouvement vers un matérialisme exagéré. Parce que c'est pour, comme si, faire une correction sur la spiritualité qui a abandonné la matière et la vie. Donc, il y a eu, de l'autre côté, un matérialisme exagéré, de l'autre côté. Et maintenant, il faut comme si unifier la vérité des deux aspects de la réalité. Et la science va le faire aussi, puisque la science aussi. Pas séparée oui, de la spiritualité. Oui, absolument, absolument. C'était une observation intéressante de la mère. Elle a dit que la science serait la première à accepter la spiritualité, la religion serait le dernier, non, la religion après, et la politique la dernière. Et la politique après. Ouais. Mais la politique suit toujours les évolutions technologiques, elle suit toujours la science. C'est ce qu'on observe en regardant l'histoire. Mais je suppose que l'histoire t'intéresse, l'histoire de l'humanité. Absolument. Mais l'histoire vraie. L'histoire vraie. Pas ce qu'on nous raconte. Mais à quel point... On a tout caché. Et tu sais, c'est une des caractéristiques, enfin, je me permets de donner mon point de vue de quelqu'un qui se souvient d'autres civilisations, c'est qu'une des caractéristiques de cette humanité primitive, c'est l'absence de mémoire et d'histoire. Quand on pervertit tout le temps, de manière continue, ce que l'humanité a vécu, quand on le transforme pour des raisons politiques, quand on efface même certains pans, eh bien, on prive la Terre entière, la planète entière, de sa force. Et les civilisations avancées dans le cosmos ont une histoire de dizaines, et voire de centaines de millions d'années, et c'est une histoire vraie. Mais quelle force on a avec une histoire vraie? L'humanité n'a pas d'histoire vraie. Parce qu'on a enlevé cette histoire. Elle était là. Elle était là, mais on l'a pervertie pour des raisons politiques, pour des raisons de pouvoir. Les religions, de contrôle. Les religions l'ont fait aussi, elles ont participé à la chose. Et aujourd'hui, on observe toujours cette affaire-là. On le voit, on l'a évoqué entre nous, les médias traditionnels, les journaux, la télévision. Je sais pas, tu peux oui, une des choses qu'on avait discutées, la média et l'éducation sont faits pour nous endormir au lieu de nous éveiller. Et si depuis notre enfance, on nous disait « c'est ça l'histoire de l'humanité, c'est ça le trajet évolutionnaire, on est ici pour réaliser quelque chose de plus haut, de plus beau et de plus parfait, et vous avez en vous le potentiel de l'infini, de l'éternité, tout ça, la beauté du futur, tout est en vous et attend à se manifester », juste cette idée, elle va changer tout. Et d'après toi, Shradalou, quel est le pourcentage de la population qui est conscient de ce que tu viens de dire? Alors, là, j'ai deux réponses. Une réponse, c'est très grande, une autre, très petite. Et je vais expliquer comment. À un niveau profond, tout le monde le sent. L'humanité, à travers tous ces chocs, cette crise, est comme si forcée à s'éveiller, à chercher quelque chose de plus vrai, quelque chose de plus satisfaisant. Mais on ne connaît pas quoi, parce que tout ce qu'on nous a dit était l'opposé. Mais on sent qu'il y a quelque chose. C'est la confusion, c'est le rêve, c'est l'égarement, c'est le labyrinthe. Et l'erreur, c'est de chercher ça en dehors de nous. Mais on le sent. Alors, la réponse première, c'est tout le monde le sent. Quelque chose autre existe. Mais combien sont conscients que c'est déjà dans leur profondeur? C'est très petit. Moi, je dirais que c'est une personne sur 100 000. Peut-être. Peut-être. Mais j'ai vu que c'est très intéressant là. Quand je parle avec des jeunes, par exemple, ou même les adultes aujourd'hui, si on peut les approcher d'une manière qui passe à travers la porte de la raison,
Tout d'abord, c'est la porte raison. Si, vous ne, si ce n'est pas raisonnable, il ferme la porte. Vous passez la porte raison, et puis vous touchez un petit peu le cœur. Avec ça, quelque chose commence à s'ouvrir. Ah oui, peut-être. Et puis là, si vous pouvez planter une petite graine de ce potentiel, de cette perception qui touche une projection, une transmission de votre expérience de la réalité, de la beauté, de ce que vous avez senti dans les mondes supérieurs, qui doit être ici. Vous passez un petit peu un point de contact. Ah oui, c'est possible, c'est vrai. Ça reste pas long. Mais ils sont là, ils sont prêts à s'ouvrir. On sème une graine, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Mais ça se ferme très vite. Mais ça montre que l'humanité est prête à s'ouvrir s'il y a une occasion. Alors, je vais essayer de rebondir, puisque tu as abordé le savoir ancien, les savoirs anciens, des gens qui ont écrit les Védas, les textes hindous, les plus fabuleux textes que l'humanité a pu transmettre jusqu'à présent. Et je vais me risquer à raconter quelque chose, puisque j'ai eu un contact avec les rishis. C'était en janvier 2018, à l'occasion de ma première séance de yoga, où je me suis allongé par terre, et puis j'ai pas fait de yoga du tout. J'ai eu tout un tas de types qui m'ont entouré, qui m'ont parlé, qui se sont présentés comme les rishis. Et on a discuté pendant une heure. Et ces gens-là m'ont expliqué que les savoirs anciens étaient en train de réémerger. Ils me parlaient à travers le temps comme si c'était le présent. Mais ce n'était pas une hypothèse, c'était une certitude que c'était en train de se produire, que c'était prévu depuis 10 ou 15 000 ans comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, absolument, c'est vrai. C'est vrai. Alors, en référence avec les Védas, la tradition védique avait cette expérience profonde qui était articulée dans des textes, qui décrivaient les expériences, mais avec une manière de rythme poétique qui transmettait aussi l'expérience. Donc, dans toute la tradition indienne, dans toute l'histoire indienne, ces textes ont été protégés, mais le sens vrai, le sens plus profond était presque perdu. Sri Aurobindo l'a redécouvert. Il a même exposé. Dit qu'il avait trouvé le sens vrai de certains mots sanskrits, que même les experts ils avaient perdu. Avaient complètement perdu. Il y avait des discussions interminables sur certains. Sri Aurobindo dit ça, ça veut dire ça. Oui, et avec ça, il aussi montre l'histoire du développement de la langue et tout ça. Il y a une connaissance profonde. On a eu des discussions très intéressantes avec Sri Aurobindo. La langue vient d'un certain type de mental, mais également permet de garder ce mental-là. La langue, l'expression, le vocabulaire, la syntaxe, c'est significatif de notre activité mentale. Elle forme nos pensées, mais aussi elle exprime la qualité de conscience dans laquelle on vit. Alors une conscience qui est plutôt intuitive a une langue plus fluide, qui exprime en quelques mots tout un paragraphe d'expérience. Par exemple, le mot « amour » a beaucoup de sens. Enfin, je crois qu'il y a plusieurs en sanskrit, je crois qu'il y a pas. Comme en grec ancien. Maintenant, on dit « amour ». Mais ça peut vouloir en français, par exemple. On aime le chocolat, par exemple. Oui. J'aime mon chien. C'est mon chien. Je t'aime, mais d'une manière superficielle. Alors, on utilise le mot amour dans des expériences qui sont 20 expériences différentes. Mais si on avait une langue précise, on aurait 20 mots différents. 20 mots différents pour l'amour. Parce que l'amour pour... Alors, le fait qu'on a un mot, c'est comme si on condense 20 expériences différentes. Et on confond ces expériences. En simplifiant, en fait, on devient ignorant. Oui, c'est ça. Et on veut toujours simplifier. Oui. Alors, revenons à cette idée des rishis et le Veda. Alors, cette connaissance était si importante pour le futur de l'humanité que Sri Aurobindo a fait l'effort de montrer ce qu'il y avait dans la profondeur, le secret du Veda. C'est ce qu'il a dit. C'est le nom du livre qu'il a écrit aussi pour ça. Oui. Alors, expose le secret du Veda, il montre comment ça c'est le principe pour l'éveil de l'humanité. Alors la force de ces rishis est toujours active aujourd'hui, même si on ne les connaît pas en nom. C'est une force. Vous avez dit au commencement de notre discussion, vous avez dit qu'il y avait des forces spirituelles qui nous aidaient l'évolution. Ces gens-là, ils sont là aussi pour ça. Mais cet éveil se fait, et je vois en Inde en particulier, tout le monde avait comme si perdu l'intérêt dans le passé. Et tout d'un coup, dans les dernières 10 années, les jeunes commencent à essayer de
apprendre le sanskrit et étudier les textes en profondeur et aller au-delà de l'aspect religieux, dans la profondeur spirituelle et la connaissance spirituelle. Il cherche le sens profond. Il cherche ça. Alors c'est ça pour moi, c'est une promesse, qu'il y a un futur qui s'éveille déjà, et ça se fait. Et tu rencontres ces gens-là, ils viennent à toi, tu envoies... Oui, et aussi on voit sur Internet maintenant, parce qu'il y a un contact dans des groupes, on voit des choses comme ça. Alors la chose qui est intéressante, et ce que Sri Aurobindo avait décrit, dans cette transition évolutionnaire, tout ce qui a été créé par le passé était utile, était une création du mental, qui n'est plus suffisant pour le futur, qui est surmental. Donc les structures qu'on a faites sociales, économiques, politiques, etc., ils sont tous dans une crise de destruction. L'ancien monde va s'effondrer. Ils ne peuvent plus nous aider à faire la transition. Ils sont des blocs qui arrêtent la transition. Alors ils s'écroulent, parce qu'ils ne changent pas. Mais de l'autre côté, à un niveau très bas, au niveau individuel de la société, il y a un éveil qui se fait. De la manière qu'on a déjà discuté. Et c'est un éveil qui monte petit à petit d'en bas vers le haut et il crée des structures qui sont représentatives de cette nouvelle conscience. Et l'Internet, même, on va dire, est comme si un organe d'expression pour l'humanité de cette conscience nouvelle. C'est vrai, mais c'est aussi un endroit où on se perd. Oui. Parce qu'effectivement, il y a un peu de vérité mélangée et beaucoup de... Mais la qualité, c'est non-hiérarchique. Alors, donc, tout le monde peut entrer dans cet espace et faire une communication, trouver les autres qui ont la même conscience ou les mêmes intérêts et créer comme si ce lien subtil, même un lien spirituel à travers cet instrument. C'est un instrument, on peut l'utiliser ou oui, mal l'utiliser. Bien l'utiliser ou mal l'utiliser. Hier, nous avons visité Auroville. Enfin, moi, c'était la première fois. Pour Anne, c'était pas la première fois. C'était un projet de la nouvelle humanité, hein, si je comprends bien. Et surtout, ce que tu m'as dit il y a deux jours, c'est que vos personnes de référence, Aurobindo et Mère, en fait, ne sont pas très loin. Elles ont choisi de rester sur un plan un peu supérieur, mais pas très loin d'ici, pour superviser en quelque sorte la suite. Et je m'étais dit que pour les voyageurs, si vraiment ils ne sont pas très loin, et si on a ce qu'on appelle des identificateurs, puisqu'on peut évoquer par exemple le matrimoine dire et les idées qu'ils véhiculent pour en se servir comme identificateurs, on devrait pouvoir les retrouver en voyage. Absolument. Et donc j'invite les voyageurs si ça les intéresse, parce que faut qu'on soit intéressé par ce genre de quête, mais moi ça m'intrigue un peu. Je pense qu'un jour je ferai l'effort, si je me trouve dans une strate. Un peu au-dessus des plans physiques, de voir si ces gens-là sont là, et de les chercher, et de les rencontrer, j'allais dire physiquement, parce que en ce moment-là, on est solides l'un pour l'autre. Et vous, les voyageurs qui regardez cette vidéo, si vous avez la patience, si vous avez l'envie, essayez de retrouver ces deux personnes qui sont tout près, apparemment, et rattachées encore à leur projet initial. Petit message. Oui. Mais aussi, je vais donner une autre possibilité pour ce même effort. Ce qu'on fait dans ce que tu as décrit maintenant, c'est aller dans un corps subtil et faire un contact avec un autre corps subtil. Oui. Mais nous ne sommes pas corps, tout d'abord. Nous sommes conscience. Alors, il y a un point aussi de contact plus direct. Sans sortir de votre corps, étant comme vous êtes, même si vous n'êtes pas voyageur conscient, vous entrez en concentration avec la présence divine qui est partout. Elle n'est pas là, au-delà, 10 km au-dessus. Elle n'est pas sous nous, elle n'est pas loin. Elle est en nous, elle passe à travers tout ce qui existe, même l'air autour de vous. Elle est dans l'air que vous respirez. Elle est partout. Elle est dans vos cœurs, dans vos pensées, dans vos émotions. Mais entrez dans la profondeur de votre être. Et devenez conscient de cette présence parce qu'elle est déjà là. Vous devenez conscient d'elle, elle est déjà là. Elle est consciente de vous. Et parce qu'elle est consciente de vous, quand vous faites cet effort, elle vous aide. Alors vous vous donnez à cette présence et vous la laissez vous prendre dans ses bras. Une forme d'abandon. Oui, un abandon de joie et d'amour en particulier. Là, la chose se fait. Alors, il y a encore 2 ans, je ne croyais pas en ce genre de choses. Hein. Oui. Avec Anne, ma compagne, je comprends que c'est absolument réel. Oui. Et avec toi... Et c'est le point de contact le plus direct possible.
là où vous êtes. Moi, j'ai bien rencontré en direct aussi sur le plan vibratoire, oui. avec un corps de lumière. Tu vas pas m'enlever ça. Hein. Oui, oui, oui. Ça, c'est précieux. J'adore ça. Mais tout le monde n'a pas cet accès. Tout le monde peut y avoir. Alors, tout le monde peut avoir l'accès direct, oui. comme vous êtes. Oui, mais aussi tout le monde peut voyager. Et puis, avec ça, votre capacité de voyager va s'ouvrir sous cette protection. Il y a peut-être... Et sous cet enseignement. En effet, il y a peut-être quelque chose à creuser dans cette direction-là. Oui, oui. On est en train d'y réfléchir. Oui. Quand tu parles de sortir dans le corps, les gens m'ont déjà posé la question, tu parles donc de corps astral. Dans les enseignements de Shlomo et Mère, de par ton expérience, tu parlerais de quel corps? Ah oui, bon. Pour les sortir du corps. Oui, alors... La mère a décrit en détail un petit peu non seulement la méthode de sortir du corps, mais aussi les sortes d'expériences qu'on a. Mais c'était quand les gens ont posé des questions. Ce n'était pas central à l'enseignement parce que... alors, là, elle décrit qu'on peut sortir à plusieurs niveaux, à plusieurs couches de notre conscience, dépendant de quelle couche est suffisamment individualisée. Alors, dans le vocabulaire que Sri Aurobindo utilise, on a le corps physique grossier. Il y a même une couche subtile, corps physique subtil, mais le corps prochain qui est très distinct, c'est le corps vital, de fait de l'énergie vitale, oui. que dans ton livre tu as décrit comme... Oui, principalement bleu. Voilà, oui. Okay. C'est le corps énergétique ou le corps éthérique. Oui. oui, et il y a le corps mental. Et donc, au niveau du corps mental, c'est très facile de faire une projection. Je ne dis pas extériorisation, on fait une distinction entre les deux. Alors, le fait qu'on pense à quelqu'un avec une intensité, on est déjà comme si une partie de notre mental oui. projette et entre en contact. Mais on peut développer ça, par exemple, de projeter un aspect de notre conscience mentale. Ça, c'est très facile. Oui. Tout le monde peut le faire comme ils sont. Tout le monde le fait, d'ailleurs. Oui, oui. Inconsciemment. Inconsciemment. On développe la capacité consciemment avec une concentration. Mais extérioriser au niveau vital, ça prend quelque chose de plus. Et donc, il y a des couches... entre ces deux, entre ces trois, disons. Et on peut sortir à n'importe quelle couche. Les couches les plus près du corps physique grossier sont les plus dangereuses. Parce que là, quand vous êtes extériorisé, s'il y a une attaque sur le corps subtil, ça réfléchit sur le corps matériel la tout de suite. La physique du marécage, ce que j'appelle la physique du marécage, que je suis en train d'étudier depuis 3 ans. Oui. Ah oui. C'est un vocabulaire, je ne sais pas encore. C'est bon, oui. Je vais lire les livres, j'attends avec... Beaucoup d'intérêt au livre. Mais est-ce que nous, on a découvert, bon, au XXIe siècle et au XXe siècle, on sait très bien, nous les voyageurs, que toute l'humanité est au courant depuis toujours. Simplement, c'est comment s'est fait la transmission. Est-ce que quelqu'un a écrit? Est-ce que ces ouvrages ont disparu? Nous, on sait très bien que ce qu'on vit, c'est juste la réalité. Donc c'était la réalité il y a 1 million d'années aussi. Et donc c'était la réalité pour Mère aussi, évidemment. On n'a pas le sentiment du tout de bénéficier d'une aptitude particulière. On sait que de toute façon, à la mort du corps biologique, tout le monde va se retrouver dans cette condition-là, et qu'on se dit « Ah, ben, je suis encore vivant mmh. !» C'est pas une bonne nouvelle, mais ces choses sont un peu compliquées quand on n'est pas déjà à la maîtrise de la circulation, en tout cas dans le marécage, c'est-à-dire dans les couches les plus basses vibratoires après le monde physique. Et je trouve, de mon point de vue, que le développement spirituel que tu proposes est... ce que je propose moi pour l'instant, en tout cas, c'est la maîtrise du voyageur du corps. C'est quelque chose de complémentaire et qui va contribuer, comme 2 grains de sable, hein, à l'évolution globale de l'humanité, je pense. Oui, absolument. Et la maîtrise spirituelle, parce qu'on utilise le mot maîtrise, ce n'est pas seulement manifester dans le corps matériel et le transformer dans une vie divine, mais aussi maîtriser toutes les couches de nos corps subtils. Et la mère décrivait comment elle a développé la capacité de quitter le corps physique tout d'abord, et puis les couches des corps subtils, oui. il y avait 12 couches qu'elle pouvait sortir, entrer à un niveau le plus haut, disons, où la forme est presque perdue, oui. entre le monde sans forme et monde de forme. Je suis allé par là. Oui. oui. Donc, c'est une maîtrise, ça représente une maîtrise de tout notre être. Et Sri Aurobindo a décrit avec... beaucoup de détails, tous les mondes, au-delà du monde matériel, jusqu'aux hauteurs les plus raffinées des couches spirituelles de la béatitude, dans tous les détails de l'expérience, d'une manière qu'on peut, comme si en lisant, sentir l'expérience, parce que c'est
exprimé dans une poésie mystique dans laquelle toutes ces couches, tous ces mondes ont été décrits et avec les gens, les formes, les êtres qui existent dans tous ces mondes et leurs lois et leurs tendances et leur influence sur notre vie, dans la vie quotidienne, sur la terre matérielle. Et tout ça s'est exprimé d'une manière très détaillée, très précise et très complète, d'une manière que tout le monde, en lisant, peut comme si avoir l'expérience de ces mondes. Et ça, c'est quelque chose de très précieux pour l'humanité. Tout cela a été décrit dans la forme de poésie mystique, dans le livre qui s'appelle Savitri. C'est le plus long poème humain en anglais, mais il y a une traduction en français. Et la partie qui décrit ses voyages à travers tous les mondes, le nom de cette partie est le livre du voyageur des mondes. Le même vocabulaire que toi. Est-ce qu'on veut faire une forme de conclusion oui. Cette vidéo entre nous, qui va faire à peu près 2 heures, non, c'est ça. je te laisse la parole, je serai jaloux. Comment tu conclurais cet échange? Alors, la chose pour moi la plus importante, c'est reconnaître que cette vie que vous avez est la plus importante de toutes les vies que vous avez eues. Parce qu'ils sont tous dans le passé. Et tout le futur de ces vies que vous allez avoir dépend de ce que vous faites maintenant. N'est-ce pas? Et en même temps que c'est la vie la plus importante, il y a aussi dans l'univers, dans la conscience universelle, pour la Terre en particulier, une transition qui se fait où la nature a déjà préparé un grand un saut évolutionnaire. Alors c'est comme si tout dans la nature nous pousse. Parce qu'elle nous pousse et on ne change pas, il y a cette crise. Le moment qu'on accepte à changer et consciemment grandir évolutionnairement, il n'y a plus une crise. Elle vous soutient, elle vous pousse, elle vous aide à éveiller. Donc c'est une opportunité exceptionnelle pour notre évolution spirituelle. Même si vous n'êtes pas capable d'être voyageur conscient, vous travaillez pour ça si vous voulez, mais la présence divine est en vous, éveillez-vous à la présence divine, ouvrez-vous à la présence divine, elle vous infuse, elle vous embrasse, elle travaille en vous, elle éveille en vous toutes vos capacités, y inclut la capacité d'être voyageur, parce qu'elle a cette capacité de vous transformer. La question, c'est de l'accepter. Accepter et s'ouvrir, se donner, mais à la source, pas quelque chose d'intermédiaire. C'est ça, volontairement, par intention, se connecter à la chose la plus haute. Et Sri Aurobindo utilise le mot très intéressant, devenir plastique au toucher de l'infini. Alors c'est l'infini qui vous forme dans votre... Qui vous modèle. Qui vous modèle, et vous vous donnez à cet infini joyeusement, au lieu de dire non, je veux ça et pas ça, en acceptant qu'elle a une sagesse beaucoup plus grande, mais elle, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est votre conscience à l'origine, c'est vous qui a choisi ça. N'est-ce pas? Alors, utilisez cette opportunité et dans les descriptions de Marc Aubin, vous trouvez ça partout dans tout ce qu'il décrit. Et donc, pour moi, c'était un livre qui était très inspirant et je veux que je puisse partager ça avec tout le monde parce que ça vous donne une perception de ce qui est possible et aussi la perception de la réalité beaucoup plus complète et complexe. Tout ça, c'est notre héritage. Parce que dans le Veda, on nous dit, nous sommes les enfants de l'immortalité. Et vivre dans cette immortalité, et avoir l'expérience de toute la création, tout l'univers, toute l'existence, toute la réalité, dans cette conscience d'immortalité, de béatitude, c'est notre héritage. Et donc, faire ce travail, voyager, s'éveiller, et pour ça, la mère divine, la conscience divine est avec vous toujours pour vous soutenir, pour vous aider et pour vous prendre jusqu'au but. Alors, prenez cette occasion, cette vie est très spéciale, faites le maximum que vous pouvez. C'est tout. Moi, je vais faire la synthèse à ma manière aussi. J'ai toujours mis en avant l'autonomie, la liberté et l'absence de croyance.
Donc, mais ça rejoint tout à fait ce que disait Shraddhalu. Expérimentez par vous-même. Commencez tout de suite. Vous avez 10 ans, vous avez 15 ans, vous avez 30 ans. Le bon moment, c'est maintenant. C'est pas d'attendre que vous soyez adulte, ou que vous soyez plus chez vos parents, ou que vous soyez à la retraite. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez être mort. Il faudra recommencer. Donc, le bon moment, c'est maintenant. C'est pas demain. Donc, commencez cette recherche. Choisissez celle qui vous convient, mais basez-vous uniquement sur votre expérience, sur des choses extrêmement concrètes. Ne croyez rien. Ne prenez rien pour argent comptant. Validez les hypothèses en fonction de votre expérience. Soyez extrêmement ambitieux, d'abord pour vous et ensuite pour la collectivité. Et d'abord pour vous. Si vous n'êtes pas solide, vous ne rendrez pas les gens solides autour de vous. L'autonomie, la liberté font que vous n'allez pas croire absolument tout ce qui passe dans les médias, par exemple, ou sur Internet. Vous allez avoir un pouvoir de discrimination. Vous allez utiliser votre intelligence et aussi votre expérience. La seule chose qui nous sauve dans le chaos, dans le tourbillon des événements, de la communication médiatique, des images que nous avons sur nos portables, sur les écrans de manière générale, c'est notre capacité à poser les pieds sur terre et à se dire voilà ce qui est réel, voilà ce qui ne l'est pas, voilà ce qui crée de la stabilité, voilà ce qui crée de la confusion, et voilà ce que je peux vérifier par moi-même. Et même si je peux vérifier que deux ou trois choses, que ça forme le socle de tout le reste. Il nous faut un socle. C'est exactement comme un arbre établit ses racines, il faut des racines, il faut une maison, des fondations, peu importe, choisissez ce que vous voulez, mais il vous faut un socle. Et à partir de là, bâtissez votre autonomie. Mais ce n'est pas une autonomie qui va aller en luttant contre les autres ou contre les événements, vous allez coopérer, mais vous pourrez coopérer qu'à partir du moment où vous êtes fort. Et moi je recommande, parce que c'est mon job, aux gens de maîtriser le voyage hors du corps, même si c'est 5-6 fois dans votre vie, faites-le, ça va vous donner une perspective complètement différente des choses. Et évidemment, en parallèle ou à la place, entre guillemets, vous avez d'autres possibilités, mais basez-vous toujours sur des choses extrêmement concrètes. Ne restez pas dans les systèmes de croyances, parce que les systèmes de croyances, vous allez de toute façon les abandonner après la destruction de votre corps physique, absolument toutes, parce que ce sont des poids inutiles de toute éternité. Voilà ma conclusion. Merci Shraddhalu. Merci Marc. Merci à vous tous.